Hey les amis, c'est Mireille du Gambiland, j'espère que vous allez bien. On continue nos aventures Assassin's Creed avec la nouvelle refonte de mon film Assassin's Creed 2, mettant en scène Ezio. Nouvelle version plus complète qu'avant, j'ai ajouté énormément de scènes par rapport à mon montage précédent, capture désormais en 4K à 60fps et sans ATH. Franchement, pour tous les fans d'Assassin's Creed, c'est cette version qu'il faut voir, et je compte bien faire la même chose avec les prochains volets. Alors, vous l'avez peut-être vu sur mon dernier montage film de Assassin's Creed 1, je n'ai pas mis de sous-titres, et c'est le cas aussi pour cet épisode. Et la raison, c'est que je vais me resservir de mes cinématiques pour un autre projet Assassin's Creed que je n'ai pas le droit pour l'instant de divulguer. C'est un gros projet qui me prendra tout l'été, mais dès que j'en ai la possibilité, promis, je vous en parle. Allez, fini la parole, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous. Je m'appelle Desmond Miles. Je suis un prisonnier de guerre. J'ignorais tout de ce conflit. Et je ne soupçonnais même pas l'existence des deux camps qui s'affrontent. Les Templiers et les Assassins. L'Animus m'a montré la vérité. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai été. Ce sont pratiquement 1000 ans d'histoire qui coulent dans mes veines. Et qui ressurgissent grâce à cette machine. Ils font tout ça pour retrouver un objet. Cet objet, c'est une pomme, une relique, l'un des nombreux fragments d'Éden, comme ils les appellent. Les Templiers les collectionnent, c'est ce qui leur donne leur pouvoir. Et si les Templiers en récupèrent une autre, plus rien ne sera comme avant. Ils veulent faire de nous leurs esclaves. Quand je suis arrivé ici, j'avais peur de ce qui se passerait si je résistais. Maintenant, j'ai peur de ce qui se passera si je ne fais rien. Si j'étais seul, ce combat serait perdu d'avance. Mais je ne le suis pas. J'ai rencontré une fille. Elle s'appelle Lucie. Je crois qu'elle est de mon côté. Mais elle n'est plus ici. Ce salaud de Warren Vidic et ses maîtres templiers l'ont emmenée ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils vont lui faire. Je ne sais pas non plus ce que je vais devenir. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je dois me tirer d'ici. Et le plus tôt possible. Je m'appelle Desmond Miles. Et ceci est mon histoire. Il faut partir. Lucie, où t'étais passée? Pourquoi ils t'ont... Maintenant! Vas-y. C'est quoi ce sang? Est-ce que tu vas bien? Écoute, au mieux nous avons 10 minutes. Pas plus. Avant qu'ils ne comprennent ce que j'ai fait. Et quand ils comprendront, nous sommes déjà loin. Attends, on s'en va? Desmond, je te promets de répondre à toutes tes questions. Plus tard. Pour le moment, tais-toi et fais exactement ce que je te demande. S'il te plaît, entre dans l'Animus. Bon, très bien. Oh, ma chérie, pardonne-moi, j'étais à la banque quand on me l'a dit. J'espère que je n'arrive pas trop tard. Donnez-le-moi. Giovanni. Chut, mon amour. Tout va bien se passer. Tu es un auditore. Tu es un combattant, alors. Mon fils. Bats-toi. Écoutez-moi ça. En voilà de beaux poumons. Comment allons-nous l'appeler, mon amour? Ezio. Ezio Auditore da Firenze.
debout. On s'en va. Ouais, ben, donne-moi une minute. Le temps presse, Desmond. Il faut partir. Viens, suis-moi. Hé, hey, vous n'avez pas le droit d'être ici. Ouvrez cette porte. Je vais donner l'alerte. Intrus repéré dans le département recherche. Je répète, intrus repéré dans le département recherche. Des murs en verre. Le personnel de sécurité. Sympa. Les voilà. Ils doivent pas s'échapper. Mais t'es dingue. Regarde-moi cet endroit. Parle-moi des caméras. Je les ai programmées pour diffuser des images en boucle. D'après toi, pourquoi personne n'a jamais rien su de tes escapades nocturnes? Pas bête. Ouais, j'essaie. Desmond, ils nous cherchent. Il faut pas traîner ici. Il faut atteindre cet ascenseur de l'autre côté de la pièce. Suis-moi. Mais préviens-moi si la sécurité arrive. C'est ça, l'animus? Ce passe devrait fonctionner. L'ascenseur n'est pas relié au système et j'ai pas de code. Attends. Merde. Oh, allez. Comment t'as fait ça? Je n'en sais vraiment rien. Allons-y. Il manquait plus que ça. C'était qui dans l'animus? Le sujet 16? Ezio Audi... Audi machin? On fait fausse route depuis le début. C'est pour cette raison qu'on doit partir. Vidic et les Templiers ne sont qu'une partie du problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras quand on y sera. Mais où ça? Monte. Tu plaisantes? C'est pour ta sécurité. Tu parles. Ce sera pas long. Merci, j'ai adoré. Les boss, les secousses, super. Tu viens? Bon, tu vas me dire ce qui se passe maintenant? On s'est enfui pour une bonne raison, Desmond. Vraiment? Tu dois nous aider. Quoi? Encore une chasse au trésor dans le temps? Abstergo va mettre la main sur une autre pomme d'Éden. C'est ce qu'indique la carte que ton ancêtre a trouvée. Les autres assassins feront ce qu'ils pourront là où ils pourront, mais... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les Templiers sont en train de gagner cette guerre, Desmond. Ils sont trop puissants. Nous perdons des agents tous les jours. Je ne vois pas bien comment je peux vous aider. Nous allons te former. Tu vas devenir l'un des nôtres. Quoi? Non. Non, tu m'as vu en action. C'est pas mon truc. Et même si ça l'était, ça prendrait des mois. Peut-être même des années. Non. Pas avec l'animus. Pas avec l'effet de transfert. Mais je n'ai rien d'exceptionnel. C'est justement là ton meilleur atout. Alors c'est pour ça que tu l'as retrouvé. Mon ancêtre. C'est quoi son nom déjà? Ezio? Si tu peux marcher sur ses traces, tu apprendras tout ce que lui-même avait appris. Il y a autre chose que tu dois savoir, mais ça attendra. Et confiance, d'accord? Je suis avec toi, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire? Vraiment? Tu es sûr? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. C'est que je suis un peu surprise. Pendant notre cavale, j'ai pas arrêté de me demander comment j'allais m'y prendre pour te convaincre. Tu sais, après tout ce que ces foutus templiers m'ont fait subir, je suis motivé et je suis prêt à tout. Merci. Lucie, tu as réussi. Eh ben, ça faisait un bail. 7 ans, waouh, tu te rends compte? Déjà? Ça passe vite. Ah, et voilà le fameux sujet 17, je suppose. Desmond Miles, c'est ça? Vous êtes? J'en oublie les bonnes manières, je suis Sean Hastings. Voici Rebecca Crane. Enchantée, Desmond. J'aurais aimé bavarder, mais si ça ne te fait rien, Desmond, on devrait se mettre au travail. Le temps est précieux.
Surtout en ce moment. Tout est prêt et opérationnel, Lucie. On peut commencer quand tu veux. Tiens, je t'ai rapporté ça. C'est un cadeau de départ d'Abstergo. Waouh ! La mémoire centrale ! Alors là, t'as fait très fort. Grâce à ces données, on va pouvoir gagner un temps fou. Il faudra juste que je fusionne les bases. À quoi ça sert, ce truc ? Ce truc, Desmond, c'est absolument sans importance, vraiment. Non, en fait, ça sert uniquement à faire en sorte que toute cette opération se déroule comme prévu. Et pour ça, il faut un minimum de concentration. Alors tu peux comprendre que je n'ai pas le temps de papoter avec toi. Sean s'occupe de mettre à jour notre base de connaissances, une sorte d'archive numérique. Il m'assistera chaque fois que tu seras dans l'Animus. Quand tu tomberas sur un détail important, personnalité, lieu, événement, peu importe, il créera une entrée dans la base que tu pourras consulter pour plus d'informations. Oui, enfin mon travail ne se limite pas à cette base. J'assure également un soutien tactique aux autres assassins. Tu sais, Desmond, ceux qui sont sur le terrain, qui se rendent utiles, qui risquent leur vie, enfin, tu vois. Hé, Lucie, je tenais à te remercier. Et à m'excuser. T'excuser ? Ouais, tu sais, chez Abstergo, en fait, je n'étais pas prêt. C'est rien. C'est faux. J'arrête pas d'y penser. La présence de ces Templiers, tout ce qu'ils préparent. Ce qui est fait, est fait. T'es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Lucie, je vois des choses. Les symboles dans ma chambre. Le code sur le clavier. Exactement comme Altaïr. C'est l'effet de transfert. Tu ne te contentes pas d'absorber les souvenirs de tes ancêtres. Tu hérites également de leurs aptitudes. En l'occurrence, la vision d'aigle. Pardon ? T'es beaucoup plus réceptif. Si ça se passe comme prévu, tout ce que Tio apprendra dans l'Animus, tu l'assimileras. Tu crois vraiment que ça va marcher ? Que je vais devenir un assassin ? T'es déjà un assassin. Tu vas seulement t'améliorer. De toute façon, tu ne peux que t'améliorer. Sérieusement, j'ai visionné les vidéos chez Abstergo. Tu n'as rien fait pour t'échapper. Quel con, celui-là. Hé, Desmond, ça va ? Je me demandais, en quoi consiste ton travail ? Je prends soin du bébé. Je m'occupe de la maintenance, si tu préfères. Le bébé ? Tu veux dire l'Animus ? En fait, je préfère parler d'Animus 2.0. Notre bébé est deux fois plus performant que n'importe quelle machine d'Abstergo. Les Templiers ont plus de moyens que nous, c'est évident. Mais ils manquent d'ambition, de passion, de motivation. Résultat, ce qu'ils mettent au point est dépassé. Tout ce qu'ils font, je le fais beaucoup mieux. Et plus vite. Très bien. Installe-toi quand tu seras prêt, on va bientôt commencer. J'ai encore quelques réglages à peaufiner, ce sera pas long. Alors, comment ça fonctionne ? Évidemment. Inspire à fond. Ah ! Pleure pas, t'es un grand garçon. Sean ! Quoi ? C'est parti ! Tous unis pour la victoire ! Tous unis ! Silencio, mes amis, silencio. Grazie. Savez-vous ce qui nous réunit ici ce soir ? L'honneur. Vieri de Pazzi traîne le nom de ma famille dans la boue et voudrait nous faire payer ses propres méfaits. Si nous, ce n'est que pure calomnie, grullo. Buonasera, Vieri. Justement, nous parlions de toi. Je suis surpris de te voir ici. Je croyais que les Pazzi n'aimaient pas se charger de la sale besogne. C'est ta famille qui appelle les gardes dès qu'elle a des ennuis, pas la mienne. Contardo, tu as peur de ne pas être à la hauteur ? J'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle m'a trouvé à la hauteur. Allez, tuez-le ! Ah!
Che diavolo! Hé! Derrière toi! Federico! Que fais-tu ici? Je voulais voir si mon petit frère avait appris à se défendre. Alors? Tu as du style. Mais c'est la résistance qui compte. Combien de temps vas-tu tenir avant de mordre la poussière? Repliez-vous! Repliez-vous! Attends. Quoi? Il faut les achever! Ta lèvre. C'est rien du tout. Tu dois avoir un médecin. Ce n'est pas la peine. Et puis, je n'ai pas les moyens de le payer, ton médecin. Les femmes t'ont tout pris, on dirait. Oui, mais elles me l'ont bien rendu. Tu peux me prêter quelques florins? Ou à toi aussi, elles t'ont tout pris? Où il est? Ils ont sûrement de l'argent sur eux. Je vous salue, docteur. Les frères Auditori, je ne suis pas vraiment surpris. Cette fois, ils n'y sont pas allés de main morte, jeune homme. C'est rien, je vous dis. Vous devez l'aider. Ce joli minois, c'est son seul atout. Fottiti! On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer? Et puisse-t-elle ne pas nous changer? Très bien. Assez bavardé. Il faut vraiment qu'on rentre. Allez, viens. Attends. Quoi? Ezio, laisse dormir Christina. Elle aura tout le temps de se reposer. Après. Ah. Christina! Christina! Qui est là? Moi! Oh! Ezio! J'en étais sûre. Est-ce que je peux entrer? D'accord. Mais juste une minute. Je n'ai pas besoin de plus. En effet. Attends, tu m'as mal compris. Approche. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Christina! Christina! Réveille-toi! Ton précepteur va arriver! Viens, ma fille. Ce n'est pas si terrible que ça, tu sais. Et... Figlio d'un cane! Que fais-tu là? Pardonnez-moi, messere. Je suis désolé! Je vais te tuer! Non, non, ce n'est pas nécessaire. Garde! Garde! Rapportez-moi sa tête! Je vous salue, père. Viens avec moi. Qu'y a-t-il? Me croirais-tu aveugle et sourd, mon fils? Je sais que tu t'es battu avec Vieri de Pazzi hier soir et qu'ensuite tu as rendu une petite visite à Christine. Ton comportement est inacceptable. Tu me rappelles moi quand j'avais ton âge, mon garçon. J'ose espérer que ces mésaventures ne vont pas t'empêcher de travailler. Non, père. Je vous en donne ma parole. J'ai ici quelques documents qui sont destinés à Lorenzo di Medici et tu vas devoir les lui remettre. Avec plaisir, père. Reviens me voir quand ce sera fait. Al magnifico Lorenzo di Medici, mon protecteur et ami. Comme on me l'avait demandé, j'ai diligenté une enquête sur l'incident qui s'est produit à Milan. Je peux vous confirmer que cela va bien au-delà d'une manifestation de mécontentement envers le duc Galeazzo Sforza. Je suis convaincu que de tierces parties, désireuses de retirer de tout ceci des profits considérables, se sont livrées à des manipulations pour atteindre leur but tout en restant dans l'ombre.
Lampugnani, Olgiati et Visconti sont, à n'en pas douter, coupables de ce crime. Leur châtiment a été à la hauteur de leur trahison. Cependant, d'autres familles de nobles sont impliquées, comme celle de Francesco de Pazzi. Leurs motivations réelles me sont encore étrangères, mais d'après mes premières conclusions, elles ont ourdi un plan dont l'ampleur ne manquera pas de vous inquiéter. Mieux vaut poursuivre cette conversation de vive voix, car j'hésite à coucher mes soupçons sur papier. Précisez-moi où et quand nous pouvons nous rencontrer. J'ai également ordonné que Francesco soit placé sous l'autorité du Confaloniere jusqu'à ce que cette affaire soit éclaircie. Votre très dévoué, Giovanni. Ah, Ezio, mes respects. Vous allez bien? Comme toujours. J'ai une lettre pour Messer Lorenzo. Je la lui remettrai dès son retour. Son retour? Ils sont partis à la Villa Careggi et ils ne reviendront probablement pas avant demain. J'en informerai mon père. Ah, voilà mon fils. Tu te souviens de mon ami Alberto? Le respect, Gonfaloniere Alberti. Content de te voir, jeune homme. Alors, as-tu remis le message? Oui, père, mais Lorenzo n'était plus en ville. Je n'avais pas du tout prévu cela. Quelle importance! Il te suffit d'attendre un jour ou deux. Ezio, je crois que ta mère et ta sœur te cherchent. J'aurai besoin de toi plus tard, mais maintenant, vois ce que tu peux faire pour elles. Vous êtes sûr? Oui, merci. Maintenant, tu peux nous laisser. Content de t'avoir vu, Ezio. Buongiorno, Ezio. Je suis content de vous voir, mère. Vous allez bien? Oui, très bien. Et toi? Est-ce que tu as récupéré de la nuit dernière? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Allons bon. Ce n'est pas très grave. J'ai une course à faire. Tu veux bien m'accompagner? Avec plaisir. Bien. C'est à deux pas d'ici. J'ai appris que tu t'étais battu avec Vieri. Qui, moi? Per piacere, ne joue pas ce jeu avec moi. Il disait du mal de nous. Je ne pouvais pas le laisser faire. Je pense qu'il a du mal à supporter les accusations qui pèsent sur son père. Francesco de Pazzi a de multiples facettes, et aucune n'est très plaisante. Mais jamais je ne l'aurais cru capable de commettre un meurtre. Que va-t-il devenir? Je suppose qu'il sera jugé. Père sera-t-il témoin? Évidemment. C'est lui qui détient toutes les preuves. Tout de même, c'est dommage d'en arriver là. Tu n'as rien à craindre. Nous voulons tous que justice soit faite. Toute cette histoire est très regrettable, mais ce sera bientôt terminé. Bonjour, Leonardo. Madonna Maria. Voici mon fils, Ezio. Je suis très honoré. Tout l'honneur est pour moi. Laissez-moi aller chercher les tableaux. Je ne serai pas long. Il a énormément de talent. Je n'en doute pas. Pour profiter pleinement de la vie, il faut laisser sa créativité s'exprimer. Ah, si tu avais une vraie passion. Mais j'ai de nombreuses passions. Je ne parle pas de femmes, Ezio. Mère. Allons-nous chez vous à présent? Oui, oui. Ezio, aide Leonardo, veux-tu? Tu es artiste. La vérité, c'est que j'ai encore du mal à trouver ma vocation. J'aime la peinture, mais j'ai souvent l'impression que mon travail manque de... comment dire? De finalité. Tu comprends ce que je dis? Je voudrais que ma contribution soit plus concrète, plus directe. L'architecture, pourquoi pas? Ou l'anatomie? Je ne peux pas me satisfaire de simplement reproduire le monde. Je veux le changer. Oh, Leonardo, vous réaliserez de grandes choses. Pour moi, cela ne fait aucun doute. Merci, madonna. Vous êtes trop aimable. Merci pour ton aide, mon fils. Mais je ne voudrais pas te retenir. Tu as sûrement des choses à faire. J'ai été ravi de te rencontrer. J'espère te revoir bientôt. Moi aussi. Ezio, approche, mon fils. Ces paquets doivent être remis à certains de mes associés dans la cité. Il faut également que tu récupères un message envoyé par pigeon voyageur, c'est tout près d'ici. Va bene, je m'en occupe. Reviens me voir quand ce sera fait, nous devons discuter de certaines choses. Et je t'en prie, mon fils, surtout évite les ennuis. Tu es le fils de Giovanni? Non, idiota. On est juste tombé sur son sosie, par hasard. Donne-moi ça!
T'inquiète pas, petit, on n'est pas contagieux. Enfin, je parle pour moi. J'ai un paquet de... Giovanni Auditore? Oui. On t'a suivi? Non. Pourquoi on m'aurait suivi? Donne-moi le paquet. Dis à ton père qu'il parte ce soir. Il devrait faire comme eux. Qui va partir? Que se passe-t-il ici? Hé, hey, revenez! Expliquez-vous! Père? Federico! C'est Ezio! Dieu merci! Que s'est-il passé? Où est ma famille? Ils ont emmené votre père et vos frères au palais de la Seigneurie, en prison. Et ma mère? Ma sœur? Ezio! Claudia! Tout va bien? Oui, mais notre mère... Elle est choquée. Elle... s'est débattue. Mais... Il faut partir d'ici. Vous pouvez les conduire en lieu sûr? Oui, oui, chez ma sœur. Bien, allez-y. Pendant ce temps, je vais aller voir mon père. Soyez prudents, Messer Ezio. Les gardes vous cherchaient, vous aussi. Ezio. Père, que s'est-il passé? Ils m'ont frappé, mais je vais bien. Dis-moi, où sont ta mère et ta sœur? À l'abri. Avec Annette? Oui, mais vous vous y attendiez, père? Je m'attendais à autre chose et pas si tôt. Ça n'a plus d'importance. De quoi parlez-vous? Dites-moi! Pas maintenant. Écoute attentivement, tu vas retourner chez nous. Il y a une porte cachée dans mon bureau. Tu la trouveras, je te fais confiance. Ensuite, tu verras un coffre. Tu dois prendre tout ce qu'il contient. Certains objets vont te sembler étranges, mais tous sont importants. Est-ce que tu m'as bien compris? Oui. Bien. Parmi ces objets, tu verras une lettre et plusieurs documents. Il faut absolument que tu les remettes à Messer Uberto. Tu l'as vu ce matin dans mon bureau. Le gonfaloniere, je me souviens. Maintenant, dites-moi ce qui se passe. Et ce coup des pazzi? Le pigeon avait un message pour vous qui disait... Va, Ezio. Tout de suite. Je dois porter ça à Messer Uberto. Il est là! Allez-y! Ah, non, mais qu'est-ce que tu fais? Va, va, tu n'as pas honte? Ezio Auditore? Que fais-tu ici, jeune homme? Ils ont... Du calme, reprends ton souffle, ressaisis-toi un peu. Mon père et mon frère sont en prison. On m'a dit de vous donner ceci. Ah... Je comprends ce qui se passe. C'est un simple malentendu, Ezio. Je vais tirer ça au clair. Comment? Les documents que tu m'as remis, ils montrent qu'il s'agit d'un complot contre les membres de ta famille et cette cité. Je produirai ces preuves demain matin lors de l'audience, et ils seront libérés. Merci, signore. C'est normal, mon enfant. Tu as besoin d'un endroit où dormir? Tu es le bienvenu dans ma demeure. Non, grazie. Je vous verrai sur la place. Ne t'inquiète pas, Ezio. Je t'assure que tout va s'arranger.
Giovanni Auditore, vous et tous vos complices, comparaissez devant nous pour répondre d'une accusation de trahison. Pouvez-vous produire des éléments susceptibles de vous blanchir ? Oui, tous les documents qui t'ont été remis la nuit dernière. Malheureusement, j'ai peur de tout ignorer de ces documents. Il ment ! Je dois me rapprocher. En l'absence de preuves irréfutables de votre innocence, je n'ai d'autre choix que de vous déclarer coupable. Vous et tous vos congénères êtes par la présente condamnés à mort. C'est toi le traître, Uberto. Tu es l'un d'entre eux. Tu peux prendre nos vies aujourd'hui, mais nous prendrons la tienne en retour. Je le jure. Père ! Là-bas, ce jeune homme, il est de leur famille. Vous le paierez de votre vie. Garde ! Arrêtez-le ! Éliminez-le ! Tu dois t'enfuir, petit. Et vite ! J'ai une faveur à te demander. J'ai remarqué la présence de plusieurs symboles étranges un peu partout dans l'Italie de la Renaissance. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, et c'est ce que je voudrais comprendre. Rebecca a marqué leur emplacement dans la base de données en utilisant de petites icônes brillantes en forme d'œil. C'est l'un des symboles. Qu'est-ce qu'il signifie ? Attendez, je rêve ! C'est pas possible ! C'est du code informatique ! Je vais le recompiler. Oh, bon sang, le fichier est crypté ! Envoie-le sur mon ordinateur. Je vais le décrypter. Ah, je voudrais bien, mais il n'est compatible qu'avec l'Animus. Alors, envoie-le à Desmond. Je n'arrive pas à le croire. Bonjour. Je suis... Il m'appelle le sujet 16. Écoutez-moi bien, j'ai pas beaucoup de temps. Il y a quelque chose que je dois absolument vous montrer. Depuis le début... Nous vivons dans l'illusion. Tout ce que nous savons, tout ce que nous avons appris, tout est faux. Je peux prouver ce que j'avance. Tout est dans un fichier que j'ai transféré. Mais je l'ai découpé en 20 segments. Et chaque segment est verrouillé par un code. On n'est jamais trop prudent. Isabelle... Non. Oh, la reine Isabelle. C'était en... Oh. On est en quelle année déjà ? J'ai caché le code du premier segment dans ce programme. Trouvez-le. Trouvez les autres. Et alors, vous connaîtrez la vérité. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça fait dans l'Animus ? Oh, je sais ! La mémoire centrale d'Absurgo. On a transféré les données du sujet 16 dans l'Animus 2.0. Il a dû s'introduire dans le système quand Vidic l'a laissé seul entre deux sessions. Attendez une minute. Alors les symboles sur les murs d'Abstergo, ceux qui ont été écrits avec du sang, c'était des indices. Ils voulaient qu'on les cherche à l'intérieur de l'Animus. Vous avez vu ce que j'ai vu ? Nous enverrons la vidéo au labo pour la faire analyser, dès que Desmond sera sorti de la machine. Est-ce que ça va ?
Il pourrait tout nous expliquer. Si seulement il était encore parmi nous. Saletio, Dieu merci. Je vous ai cherché partout. Je n'ai pas pu les arrêter, Annetta. J'ai essayé, je le jure. Mais les gardes étaient trop nombreux. Les runes sont pas sûres. Venez avec moi, vous ne devez pas rester là. Comment vont ma mère et ma sœur ? Elles vont bien. Nous allons les rejoindre. Non, ce serait trop dangereux de rester ensemble. Dites-moi où elles sont, je vous retrouverai là-bas. Elles sont chez ma sœur. Sa maison est au nord du dôme. Je me mets en route. Je crois qu'on s'est trompé d'endroit. Non. Non, c'est ici. Je suis heureuse de faire votre connaissance, Messer Ezio. Annetta m'a dit beaucoup de bien de vous. Je comprends pourquoi. Vous êtes bien trop aimable, Madonna. Je t'en prie. Appelle-moi Paola. Je vous remercie d'accueillir ma famille, Paola. C'est le moins que je puisse faire. Tu dois être fatiguée. Tu ne veux pas... Non, grazie. Je dois partir. Quoi ? Mais où vas-tu ? Tu es Uberto Alberti. Je comprends très bien que tu veuilles te venger, mais le Gonfaloniere est un homme puissant. Tu n'es pas un assassin, Ezio. Épargnez-moi vos discours. Mais tu pourrais le devenir. Et c'est vous qui allez m'apprendre à tuer, peut-être ? Non. Mais par contre, je peux t'apprendre à survivre. Viens. Laissez-nous, les filles. Oh, c'est dommage. Si innocent. Il est mignon. Maintenant que tu sais comment t'approcher d'un ennemi, il ne nous reste plus qu'à te trouver une arme. Et que voulez-vous que j'utilise ? Ah, mais tu connais déjà la réponse. Hé ! La lame et le brassard de mon père ! Comment les avez-vous eus ? J'ai appliqué les techniques que je t'ai enseignées. Je crains qu'il ne soit en mauvais état. Je suppose que tu as déjà rencontré Leonardo da Vinci. Si, mais en quoi un peintre pourrait-il m'aider ? Il est bien plus que ça. Apporte-lui ces objets, tu verras. Avant de partir, puis-je vous poser une question ? Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous apporté votre aide à moi, un inconnu ? Moi aussi, j'ai été trahi. Oh, Ezio Auditore ! Je ne m'attendais vraiment pas à te revoir, après tout ce qui s'est passé. Ah, j'en oublie les bonnes manières. Sois le bienvenu. Bien, dis-moi, que puis-je faire pour toi ? Est-ce que tu pourrais m'aider à réparer quelque chose ? Bien sûr. Viens, par ici. Ah, quel désordre. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Je vais faire un peu de place. Très bien, voyons ça. C'est fascinant. C'est étrange, Ezio. C'est assez ancien. Et c'est pourtant très perfectionné. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Et j'ai bien peur de ne rien pouvoir faire sans les dessins d'origine. Je suis désolé. Attends un peu. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tout ce qui figure sur cette page est codé. Mais si ma théorie est exacte, et si j'en crois ces dessins, il pourrait bien s'agir de... Il pourrait bien s'agir de quoi ? Assieds-toi. Leonardo, je... Remarquable. Si on intervertit les lettres et qu'on n'en garde qu'une sur trois... Voilà, j'ai terminé. Hein ? Terminé quoi ? La lame. J'ai compris comment déchiffrer ton parchemin. Il contenait toutes les instructions. Bien, il ne me reste plus qu'à couper ton annulaire. Tu plaisantes ? Désolé, mais... Tu ne pourras pas y échapper. Il faut s'assurer que l'engagement de celui qui manie la lame est bien réel. Ben, mais fais vite. Je te fais marcher, Ezio. Autrefois, un sacrifice était bien nécessaire, mais plus maintenant. Tu peux garder ton doigt. Incroyable. Oui, en effet. Dis-moi, tu as d'autres pages comme celle-ci ? Désolé, c'était la seule. Écoute, si par le plus grand des hasards tu en trouvais une autre, alors apporte-la-moi.
Eh bien, tu en as mis du temps. Leonardo adore parler. C'est bien vrai. Mais vous n'avez pas fait que parler, j'espère. Impressionnant. Elle me plaît beaucoup à moi aussi. Je t'ai apporté le savoir-faire, Leonardo t'a apporté la lame. Il ne te reste plus qu'à agir. Où puis-je trouver Uberto? Si j'en crois mes filles, il assistera à la présentation des œuvres de Verrocchio ce soir. Elles seront exposées au cloître de Santa Croce. Veillez bien sur ma mère et ma sœur pendant mon absence. Rassure-toi, Ezio. Ta famille est entre de bonnes mains. Uberto Alberti, un ami fidèle et loyal de la famille Auditore. Et un saint homme si l'on se réfère aux livres d'histoire. Véritable autodidacte, il fut l'un des officiers de justice les plus brillants de toute l'Italie. Remportant tous ses procès, il poursuivait les meurtriers, les violeurs et les pires criminels. J'ai trouvé une faille dans le serveur qui héberge la base de données des Templiers. Ça fait un moment que j'essaie de l'exploiter, et j'ai réussi. Apparemment, la famille d'Uberto fut chassée par la banque Médicis. Bien évidemment, Uberto en garda une rancune très tenace, et les Templiers lui apportèrent leur soutien. Le père d'Ezio était devenu un obstacle. De plus, Uberto était jaloux de l'influence qu'il exerçait sur le gouvernement florentin. Il allait faire d'une pierre deux coups. Il semblerait qu'Uberto ait profité de sa nomination à la seigneurie pour mettre sa vengeance à exécution. Nous en avons déjà parlé. Vous avez dépassé les bornes, Uberto. Vous ne manquez pas d'audace. C'est vous qui me faites la leçon? Vous, Lorenzo de Medici, qui vous êtes autoproclamé prince de Florence? Vous déraisonnez. Évidemment. Vous êtes innocent. C'est un peu trop facile. Enfin, cela nous aura au moins montré que votre pouvoir est tout à fait négligeable, si tant est que ce pouvoir existe. C'est un constat riche d'enseignements pour moi, comme pour mes alliés. Oui, vos alliés les Pazzi. Car c'est bien d'eux qu'il s'agit. Je vous conseille de surveiller vos paroles, Lorenzo. Vous devriez éviter d'attirer l'attention sur vous. Mes respects, Gonfaloniere. Mes respects aussi. J'espère que vous passez une bonne soirée. Tout à fait. Après l'affaire Auditore, un peu de distraction est la bienvenue. Et moi qui considérais Giovanni comme mon propre frère. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous ne pouviez pas savoir ce qu'il manigance. Le nom de ce traître ne doit plus figurer nulle part. Il faut oublier jusqu'à son existence. Et tant que cette responsabilité m'incombera, je puis vous assurer... Toi ! Tu aurais fait la même chose pour protéger ce que tu aimes. Oui, tu as raison. Et c'est ce que j'ai fait. Les Auditori ne sont pas morts! Je suis toujours là! Moi! Ezio! Ezio Auditore! Il vaut mieux que je quitte Florence. Où vas-tu aller? Mon oncle Mario a une maison à Monteriggioni. Tu es toujours recherché, Ezio. Que puis-je faire contre ça? Ezio! Mais où étais-tu? On nous empêche de partir. Et mère, ah, elle ne parle plus depuis que nous avons quitté la maison. Mais je sais que père va tout arranger. Où est père? Et Federico? Et Pedruccio? Hmm? Je n'ai rien... rien pu faire. Que veux-tu dire? Non, c'est impossible. Claudia... Non, 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 non. Tu sais, j'ai tout essayé, piccina. Écoute, ce qui compte maintenant, c'est de trouver un endroit sûr. Mais pour m'aider, il faut que tu aies les idées claires. Est-ce que tu comprends? Bien. Tu peux veiller sur notre mère? Alors, nous sommes prêts. Encore merci. Merci pour tout. Sois prudent, Ezio. Reste vigilant. Tu as encore beaucoup de chemin à parcourir.
Buongiorno, Ezio. Alors comme ça, tu as quitté Florence sans même passer nous dire au revoir. Ezio! Qu'est-ce que tu veux, Vieri? Ah, je veux tellement de choses. Un palais plus fastueux, deux nouveaux destriers, une plus jolie femme. Ah, j'oubliais! Et ta tête. Mais c'est de la sorcellerie! De la sorcellerie? Non! Allez, montre-toi! Comme tu voudras. Tiens, attrape! Tuez-les tous! Jusqu'au dernier! Merci infiniment. Garde l'épée, Ezio. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Tu ne me reconnais pas. C'est moi, Mario! Oncle Mario? Ça faisait longtemps, Ezio. Trop longtemps. J'ai appris ce qui s'est passé à Florence. Désolé. Viens. Vous ne devez pas rester ici. Alors, raconte-moi toute l'histoire. Ils ont exécuté mon père pour trahison. Puis Federico et Petruccio aussi. Maintenant, ils me cherchent. Sais-tu pourquoi? Je l'ignore, à vrai dire. Mais je détiens une liste de noms prise à un homme qui voulait me tuer. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont morts. Sois fort. La vérité finira par éclater. J'aimerais partager votre optimisme. Nous y sommes. Casa Dolce Casa. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je suis sans voix, mon oncle. La villa a connu des jours meilleurs. Si seulement j'étais moins occupé, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle retrouve son allure d'antan. La visite est terminée, Ezio. Tu devrais te procurer de quoi t'équiper. Rends-toi au marché, mes hommes t'y attendent. Quand tu en auras terminé, nous pourrons enfin nous mettre au travail. Au travail? Comment ça? Tu es bienvenu ici pour t'entraîner. Ne vous méprenez pas. Je devais fuir Florence et maintenant, j'ai bien l'intention de mettre ma famille à l'abri. As-tu pensé à ton père? Il voudrait que tu finisses ce qu'il a commencé. Que voulez-vous dire? Mon père était banquier. Attends, il ne t'a rien dit? Je ne vous suis pas. De quoi parlez-vous? Mais où avais-tu la tête, Giovanni? Bon, je ne sais pas par où commencer. Va t'équiper au marché. Cela me donnera le temps de réfléchir. Bien. Il est grand temps que tu apprennes à te battre. Non. Comme je vous l'ai dit, nous devons partir. Ezio, tu n'as aucune chance contre Vieri. Si vous partez maintenant, vous ne tiendrez pas plus d'une semaine. Tu veux t'en aller? Très bien. Mais prends au moins le temps de maîtriser quelques techniques qui te permettront de te défendre. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour ta mère et ta sœur. D'accord. Très bien. Tu sais manier l'épée, cela ne fait aucun doute. Mais l'attaque seule ne garantit jamais la victoire. Tu dois résister et donc te défendre. Je vais t'apprendre à esquiver. Vous disiez que mon père n'était pas un simple banquier? Inutile de tergiverser, je suppose. Ezio, ton père était un assassin. Vous le savez aussi bien que moi. Mon père était dans les affaires. Non, tu te trompes, il a été entraîné pour tuer. Bene. Je t'ai montré comment esquiver les coups de tes adversaires. Tu vas maintenant apprendre à les retourner contre eux. Quand j'y pense, cette histoire d'assassin et de templier, ça n'a pas de sens. Pas plus que des messages codés sur un vieux parchemin, si c'est à ça que tu penses. Qui vous en a parlé? Tu portes l'épée de ton père, alors j'en déduis que tu es également en possession de la page du Codex. Du Codex? Oui. Un manuscrit décrivant le fonctionnement interne de l'Ordre. Ses origines, sa vocation, ses techniques, notre credo, si tu préfères. Ton père pensait que le Codex renfermait un puissant secret. Un secret capable de changer la face du monde. C'est probablement pour ça qu'ils l'ont arrêté. Assassin, Templier, page de Codex? Ça fait quand même beaucoup! Tu dois ouvrir ton esprit, Ezio. N'oublie jamais ceci. Rien n'est vrai. Tout est permis. Tu progresses vite, Ezio. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils qui t'aideront à te placer correctement lors d'un combat.
Ta position et ta façon de te déplacer peuvent faire la différence. Tu crois que je ne t'ai pas vu en train de fouiller dans ma bibliothèque? J'espère que tu me crois maintenant. Oui, mon père était un assassin. Mais pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé? Les Templiers, ça t'évoque quelque chose? C'est un ordre de chevaliers fondé à l'époque des Croisades. D'après les livres d'histoire, il a été officiellement dissous il y a environ 200 ans en France. Mais la réalité est tout autre. S'ils ont été contraints d'œuvrer dans l'ombre, leurs viles activités n'ont jamais cessé. Que veulent-ils? Les Templiers veulent maintenir l'humanité sous leur domination. Et nous, les assassins, avons prêté serment de les en empêcher. Uberto était l'un d'eux? Oui. Et les autres noms qui sont sur la liste? Tous des Templiers. Ça veut dire que Vieri... Tout comme son père, Francesco. Et comme tous les membres de la famille Pazzi. Ah, ça explique beaucoup de choses. Bien joué, Ezio. Tu as montré de quoi tu étais capable. Merci, mon oncle. Vous avez tant fait pour moi. Tu es ma famille. Je suis un peu responsable de toi. J'ai bien fait de rester. Bien. Alors, tu as changé d'avis? Nous partons pour l'Espagne, dans 3 jours. Mais Ezio, si je t'ai enseigné toutes ces techniques, c'est pour que tu sois mieux préparé à affronter nos ennemis. Et s'ils me trouvent, je les tuerai. Tu veux partir, Ezio? Tu veux tourner le dos à la cause pour laquelle ton pauvre père est mort? Renier ton héritage? Soit. Va-t'en. Arrivederci et buona fortuna. Non, attendez, il a l'air contrarié. Cela te surprend. Vieri nous harcèle depuis le jour de ton arrivée. On s'y attendait, à vrai dire. Il a de qui tenir. Mon oncle? Mais où sont-ils tous? Partis à San Gimignano pour tuer ce serpent de Vieri. J'aimerais tant les rejoindre. Tu trouveras ce qu'il te faut aux écuries. Vieri des Pazzi. Le petit dernier de la deuxième famille de banquiers la plus influente de tout Florence. Celui-ci passait le plus clair de son temps à dépenser la fortune de son père. En plus d'un goût immodéré pour les armes, les animaux exotiques et les vêtements. Il était célèbre pour son esprit de compétition. Il adorait se mesurer aux autres, que ce soit en bateau, à cheval ou en courant. Bien sûr, les courses qu'il organisait étaient truquées. Et quand, par un extraordinaire coup de chance, c'est un autre concurrent qui l'emportait, Vieri invitait toute la famille du gagnant à dîner pour fêter la victoire. Ce repas était ennuyeux à mourir. Aspect. Ezio, que viens-tu faire ici? Simplement mon devoir. Vieri s'en prend à vous à cause de moi. Vieri s'en prend à nous car c'est un Templier et que nous sommes des assassins. Peu importe, je veux vous aider. Va bene. Alors écoute-moi bien. Nous devons d'abord trouver un moyen d'entrer dans la ville. Malheureusement, je crois que nous sommes attendus. Vieri a demandé à ses hommes de fermer les entrées et de les surveiller. Heureusement pour nous, la ville est grande et son armée réduite. La porte sud est moins bien gardée et c'est là que nous frapperons. Très bien, Ezio. Voilà ce qu'on va faire. Mes hommes et moi allons occuper les gardes pour faire diversion. Quand nous les attaquerons, escalade le mur et trouve un moyen d'ouvrir la porte. Tu auras besoin de ces couteaux. Lance-les pour éliminer les archers. Pour ma part, je suis prêt. Dans ce cas, allons-y. Bien joué, Ezio. On y est. Suivez-moi. Ah, merveilleux.
voilà. Mon plan ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Les hommes de Vier nous ont tendu une embuscade. Et nous ne savons plus où donner de la tête. Mes frères et moi, nous allons nous occuper de ces gardes. Quant à toi, je veux que tu mettes la main sur ce serpent de Vier. Et que justice soit faite. C'est réglé. Vieri, vous resterez ici pour coordonner l'assaut des mercenaires. Francesco déploiera nos forces dans la cité et nous dira à quel moment nous pourrons frapper. Jacopo, je compte sur vous pour rassurer les citoyens quand ce sera terminé. Et ce soulard de Mario. Il continue de narguer nos soldats. Il finira par découvrir ce que nous préparons. Il a toujours posé problème. Tout comme son frère, ce bastardo. Dans ce cas, père, laissez-moi les réunir. Nous aurons tout le loisir d'éliminer ces misérables quand ce sera terminé. Bien. Y a-t-il autre chose? Oui, bien. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Comandante! Comandante! Quoi? Mario Auditore est dans la cité! C'est vous qu'il cherche! Alors ne le faisons pas attendre. Prépare quelque chose avec tes alliés. Et mon père avait tout découvert. C'est pour ça qu'il est mort ? Pauvre fou. Tu espérais peut-être une confession ? Pezzo di merda ! J'aurais voulu que ton agonie soit beaucoup plus douloureuse. Tu as le sort que tu mérites, tu m'entends ? J'espère que tu... Arrête, Ezio. Un peu de respect. Du respect ? Après ce qu'il nous a fait ? Et lui, vous croyez vraiment qu'il nous aurait traités avec plus d'égards ? Tu n'es pas Vieri. N'agis pas comme lui. Que la mort t'apporte le repos auquel tu aspires. Requiescat in pace. Prends-la. Tu la liras plus tard. Notre mission est terminée. Il faut rentrer à la villa. Il est de retour ! Notre campione, Ezio ! Gloire à Ezio ! Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour fêter la victoire. Pourquoi attendre ? Nous te devons vraiment une fière chandelle, Ezio. Vieri est mort, et la Toscane va enfin renouer avec la paix. Comprends-tu ce que ça signifie ? Fini les sales besognes ! Ah, enfin ! On va pouvoir boire jusqu'à plus soif ! À nous, les femmes ! Eh, c'est vrai ! Viens, Ezio, marchons. Mon oncle ? Les Pazzi obéissent à un homme. Un Espagnol. Son nom est Rodrigo Borgia. C'est l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Et c'est aussi le chef de l'ordre des Templiers. Ce qui fait de lui le vrai responsable de la mort de mon père et de mes frères. Oui. Et il te tuera toi aussi, s'il en a l'occasion. Alors je vais devoir le combattre si je veux rester libre. Mais avant cela, tous les autres Templiers vont goûter à ma lame. Tous ceux qui figurent sur la liste. Et maintenant, où vas-tu aller ? À Florence. Francesco de Pazzi va bientôt rejoindre son fils. C'est un choix judicieux. Il a de sombres projets pour la cité. Bien. Assez discuté pour ce soir. Je serai dans mon bureau si tu me cherches. Je devrais lire la lettre que mon oncle m'a confiée. Messer Francesco. J'ai agi selon vos ordres. Et je me suis entretenu avec votre fils. Vous aviez raison sur l'essentiel, mais permettez-moi néanmoins d'émettre quelques réserves. Je vous l'accorde,
Vieri est impétueux et souvent mal avisé. De plus, il a pris la fâcheuse habitude de traiter nos mercenaires comme s'il s'agissait de vulgaires jouets. On m'a informé qu'au moins 3 hommes en avaient subi les conséquences et qu'ils avaient tous été défigurés. Mais contrairement à ce que vous laissez entendre, je suis intimement convaincu qu'il peut encore changer. En fait, il existe une façon très simple de remédier à cette situation. Il veut s'attirer vos faveurs, avoir votre attention. Ses accès de colère sont avant tout motivés par son sentiment d'impuissance. Il n'a de cesse de parler de vous, d'exprimer son envie de se rapprocher de vous. S'il se montre violent, cruel et coléreux, c'est uniquement pour attirer l'attention sur lui. Il a besoin de reconnaissance. Comportez-vous avec lui en prenant tout ceci en compte. Par ailleurs, je pense que nous devrions cesser toute correspondance. S'il découvrait la nature de nos échanges épistolaires, ma propre vie serait menacée. Votre très dévoué, Fra Giocondo. Tu les reconnais ? D'autres pages du Codex. Oui. Ton père en avait trouvé et déchiffré quelques-unes avant de... Tenez. Ceci n'est pas l'œuvre de ton père. Quelqu'un d'autre l'a déchiffré. Leonardo da Vinci, un ami. Tu vois comment les mots apparaissent quand on met les pages côte à côte ? Tout cela cache quelque chose. On dirait une carte. Mais où cela nous mène-t-il ? Ton père et moi avions réussi à décoder les bribes d'une prophétie griffonnée sur ces pages. Elle a été rédigée par un autre assassin, qui détenait autrefois un fragment d'Éden. Il s'appelait Altaïr. Il y évoque quelque chose d'ancien et de puissant qui serait enfoui quelque part. Quoi donc ? Bonne question. Figure-toi que c'est justement pour tenter d'y répondre que nous avons collecté toutes ces pages. Laissez-moi vous aider. Je veux prendre la relève de mon père. Jusqu'au bout. Commençons avec la page que j'ai prise à Vieri. Leonardo la décodera pour nous. Bene. Rapporte-la-moi, elle rejoindra celles qui sont sur le mur. Ezio, tu es toujours en vie ? Regardez-moi ça. Tu as prospéré ces 2 dernières années. Et toi, tu as beaucoup changé, on dirait. Je suis venu solliciter ton aide, si tu es d'accord. Cela va sans dire, mon ami. Tu en as trouvé une autre. Très intéressant. Celle-ci est bien plus difficile à déchiffrer. Les langues anciennes, c'est vraiment très astucieux. Peut-être qu'il suffirait de... Oh, je vois. Cela ressemble à s'y méprendre à une sorte d'inventaire de différentes techniques d'assassinat. Je peux voir ? Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Cette fois, ce ne sont pas des plans, mais une série de croquis. À quoi peuvent-ils servir ? Oh, bien sûr, c'est évident. En voilà une idée de génie. Est-ce que tu pourrais le fabriquer pendant que j'essaie ce qui est indiqué ici ? Voilà. Tiens, essaie-le. Merci, Leonardo. Il n'y a pas de quoi. Avant de partir, je dois voir une connaissance. Mais je ne peux pas l'approcher en public. Tu aurais une idée ? La volpe. Le renard ? Chut ! Je comprends. Mais sais-tu où est la tanière de ce renard ? Eh bien, près du mercato, où vivent les voleurs. Sois prudent, mon ami. Quoi ? Ma bourse, mon argent ! Ton argent ! Je ne l'ai pas, ton argent ! Reviens ici ! Non, toi, viens ! Je ne tiens vraiment pas à te faire du mal. Alors rends-moi mon argent et n'en parlons plus. Pas si vite. Qu'est-ce que tu veux ? Qui es-tu ? On m'a affublé de tous les noms. Meurtrier ? Égorgeur, voleur, mais toi tu peux m'appeler la Volpe.
À votre service, Messer Ezio. Comment connais-tu mon nom? Rien de ce qui se passe dans cette ville ne m'échappe. C'est pour ça que tu es là, non? Exact. Je recherche quelqu'un. Je veux être informé de tous ses faits et gestes. Qui? Francesco De Pazzi. D'après la rumeur, une caravane en provenance de Rome vient tout juste d'arriver. Une rencontre secrète aura lieu ce soir à la tombée du jour. Si tu y assistes, tu apprendras peut-être où est Francesco. Sais-tu où cette rencontre se tiendra? Ah, bien sûr. Je t'y conduirai quand tu seras prêt. Fais-moi signe. Ah, oui. Voici ton argent. Suis-moi. Il ne faut surtout pas traîner. Tu seras à la hauteur? Ne t'inquiète pas pour moi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai demandé de me suivre. Nous y sommes. Francesco De Pazzi va retrouver ses complices à l'intérieur de cette église. Comment vais-je entrer? Il y a des catacombes creusées partout sous la ville. Elles te conduiront à un endroit d'où tu pourras espionner leurs conversations. Agrippe cette poignée, fais-la pivoter et glisse-la vers le bas. Merci de m'avoir aidé, Volpe. Buona fortuna. Combien de temps on va devoir rester ici, Saverio? Il fait pas très chaud. De quoi tu te plains, Ilario? Messer Pazzi nous paie grassement pour surveiller l'entrée. Et on n'a rien à craindre des morts. J'ai hâte de rentrer chez moi et de montrer à Hélène la petite fortune qu'on a empochée ce soir. Merde! La porte! Reste aux aguets, je vais jeter un coup d'œil. Moi qui croyais que ce serait de tout repos. Je te dis qu'on n'aurait jamais dû venir. Au moindre bruit, je fonce à l'autre poste de garde, avec l'aide de Dieu. Je ne le laisserai pas m'avoir. Oh non! Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos emanet semper. Grazie, Padre. Bernardo. Tout est là. Épée, gourdin, hache, armure, arc. Nos hommes ne manqueront de rien. Dois-je en déduire que vous avez le consentement du pape? Il nous a accordé sa bénédiction, dans la mesure où personne n'est tué. Nous sommes prêts à nous rendre au dôme demain matin. Tout est en place, mais ça n'a pas été sans mal. Son idiot de frère ne cesse de changer ses plans. Ouais. Il faudra avant tout s'assurer que Giuliano ne traîne pas au lit et qu'il ira à l'église demain. Qu'y a-t-il, Jacopo? Vous pensez qu'il se doute de quelque chose? Impossible. Les Medici n'ont rien remarqué. Ils sont trop stupides ou trop arrogants. Ou un peu des deux. Ne sous-estimez pas nos ennemis, Francesco. Auriez-vous déjà oublié le sort qu'ils ont réservé à votre fils? Cette fois, rien ne viendra contrecarrer nos plans, maestro. Vous avez ma parole.
Molto bene. Je dois vous laisser. Il se trouve que j'ai d'autres affaires à régler avant de rentrer à Rome. Messieurs, demain, une nouvelle ère s'ouvrira pour Florence. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Je sais où et quand je peux trouver Francesco, mais... Qu'y a-t-il ? J'ai appris autre chose. Ils ont assez d'armes pour équiper une armée entière. Le pape lui-même les soutient. Sisto est incorrigible. Mais qu'est-ce qu'il complote au juste ? Je n'ai pas bien compris tous les détails, mais cela concerne les Medici. Ils passeront à l'acte demain matin au Dôme. Tous les Medici assisteront à l'office de dimanche. Et tout Florence sera là par la même occasion. Alors ils vont agir pendant la grand-messe, c'est évident! Voilà qui me donnera l'occasion de me mêler à la foule, de me rapprocher et d'arrêter cette folie. Si tu échoues, si Lorenzo est tué, alors Florence tombera aux mains des Pazzi. Ça n'arrivera pas, je te le promets. Puisses-tu seulement dire vrai? Lorenzo est là, avec sa femme. Je vois Giuliano, le frère de Lorenzo. Mais où est Francesco? Le voilà. C'est le moment. Traître! Voilà pourquoi! Giuliano! Non! Oh, de grâce! Au nom de Dieu, pas je me de pitié pour toi! Tu n'es qu'un sale chien! Meurs! 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 Ta fin est proche, Lorenzo! Et tous les membres de ta famille périront bientôt par l'épée! J'y veillerai! Traître! Assassin! Je vais te tuer! Tu n'as que ce que tu mérites! Et maintenant, maintenant tu vas mourir! Attends! Je t'en prie! Aide-moi! Tu m'as sauvé la vie. Je vous en prie. Maintenant, celui qui est derrière tout ça doit payer. Pas maintenant. J'ai besoin d'aide. C'est moi. Je leur fais confiance. Peux-tu... Lorenzo est gravement blessé. Ouvrez-nous la porte. Quel est le mot de passe? Poliziano, ouvre cette maudite porte, tu entends? Dieu Tout-Puissant, entrez, entrez. La ville est à feu et à sang. Vite! Attends. Je te dois la vie. Dis-moi, pourquoi m'as-tu aidé? Vous n'êtes pas le seul à qui les Pazzi ont enlevé un frère. Je m'appelle Ezio Auditore. Ah. Tu es le fils de Giovanni. Ton père était un homme bon. C'était un homme d'honneur. Un homme loyal. Les hommes des Pazzi prennent d'assaut le palais de la Seigneurie! On ne pourra pas les repousser très longtemps! Non! S'ils parviennent à entrer, ils exécuteront nos partisans, et les conjurés prendront le pouvoir! Et j'aurais survécu pour rien. Il faut que... Francesco dei Pazzi... va sauver notre cité, Auditore. Tue-le! Francesco dei Pazzi. Ce noble a grandi dans une cité qui n'avait Dieu que pour les Médicis. Modèle de réussite. Francesco a appris à haïr les gens du peuple et ceux qui s'élevaient au-dessus de leurs conditions. Quand la banque Médicis supplanta la sienne, l'influence que sa famille exerçait sur le gouvernement florentin diminua peu à peu.
L'Espagnol lui offrit une porte de sortie. Plutôt que de se salir les mains dans l'univers de la banque, Francesco eut l'occasion d'aider les Templiers par un acte qui remettrait les parvenus à leur place pour de bon. Il allait éliminer les Médicis. Giovanni Auditore tenta d'arrêter Francesco en le jetant en prison. Mais les Templiers trouvèrent une parade. Encore toi ? Tu es toujours vivant ? Garde ! Éliminez-le ! Personne ne viendra. Il ne reste plus que nous. Sois maudit ! Puisses-tu brûler en enfer ! Ne t'approche pas de moi ! Maintenant, c'est Florence qui va te juger pour tes crimes. C'est fini. Tout est fini. Mieux vaut être heureux ici, en ce bas monde, qu'aspirer à une vie meilleure dans l'autre monde. Requiescat in pace. Liberté! 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 Pour le peuple et la liberté! 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 Francesco. Quand j'avais 6 ans, je suis tombé dans l'Arnaud. Très vite, j'ai été entraîné vers le fond et vers les ténèbres. Je voyais ma fin approcher. Quand j'ai repris connaissance, ma mère était en pleurs. Un étranger se tenait près d'elle, trempé, un sourire sur les lèvres. Elle m'a dit que cet homme m'avait sauvé. Depuis ce jour, une amitié profonde et durable lie nos deux familles, la tienne et la mienne. Je regrette de n'avoir pu sauver ton père et tes frères. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Jacopo de Pazzi semble impliqué dans leur mort et dans ce qui vous est arrivé. Il faut que je le trouve. Nous n'avons pas pu l'arrêter. Ce lâche s'est enfui. Avez-vous une piste ? Non. Ils ont tous disparu. Tous ? Jacopo n'est pas le seul conjuré à s'être échappé. Si Jacopo avait des complices, alors eux aussi sont impliqués dans le complot qui visait ma famille. Donnez-moi leur nom. Antonio Maffei, l'archevêque Francesco Salviati, Stefano da Bagnone et Bernardo Baroncelli. Bene. Je vais trouver mon oncle. Il a des hommes postés partout dans la campagne. Attends. Avant de partir... Une page du Codex ? Je l'ai prise dans les affaires de Francesco de Pazzi. Il est clair que cela ne lui sera plus d'aucune utilité. Les documents et les objets anciens m'ont toujours fasciné. Comme il fascinait ton père. Je m'y intéresse beaucoup, moi aussi. Alors je t'en fais cadeau. Puisse le Seigneur tous nous protéger. Jacopo de Pazzi, un financier.
Il était à la tête de la famille Pazzi, et c'est lui qui gérait toutes leurs activités bancaires. Il était associé avec Laurent de Médicis. Comme il ne voulait pas se salir les mains, il engagea 4 Templiers et les chargea de faire le sale boulot à sa place. Bernardo di Bandino Baroncelli. Il détestait la famille Médicis, qui était responsable de l'exil de ses cousins. Le jour, il faisait des calculs dans la banque des Pazzi, et la nuit, il tuait pour les Templiers. C'est Baroncelli qui porta le premier coup. Stefano da Bagnoli, célèbre pour sa cruauté. Il était devenu à Rome l'un des tortionnaires des Templiers. C'est Bagnone qui poignarda Laurent de Médicis dans le dos. Antonio Maffei, il assista au pillage de Volterra par des mercenaires florentins et tint Laurent pour responsable. Il rejoignit les Templiers pour assouvir sa vengeance. C'est Maffei qui entailla le coup de Laurent. L'archevêque Francesco Salviati. Convaincu qu'il serait le prochain archevêque de Florence, Salviati devint fou de rage quand Laurent lui barra la route. Mais les Templiers étaient là pour soigner ses blessures. Salviati était à la tête des troupes qui sont entrées dans la cité. J'ai quitté Florence à la demande d'Il Magnifico pour m'occuper d'une affaire non réglée. Je dois trouver Jacopo de Pazzi. Ah, toi aussi ! Nous l'avons cherché sans succès. J'ai ici quelque chose qui devrait nous aider tous les deux. La liste de tous les conjurés. L'un d'eux parlera forcément avant de mourir. Excellent. Les complices de Jacopo ne peuvent plus compter sur ce dernier pour les cacher. Nous les trouverons sans coup férir. Je vais demander à mes éclaireurs de partir sur le champ. Merci pour votre aide, mon oncle. Tenez, j'ai également ceci pour vous. D'autres pages du Codex. Ah, voyons ce qu'elles nous apprennent. Comment ça ? Quel prophète ? Vous avez trouvé quelque chose ? Encore une de ces maudites énigmes. Ce texte ici peut se traduire par « Seul le prophète saura l'ouvrir ». Il fait référence à 2 fragments d'Éden. Ces pages n'apportent aucune réponse, Ezio. Tu dois en trouver d'autres. Il nous manque encore des éléments. Je crains de devoir m'y atteler plus tard, mon oncle. J'ai une autre mission qui m'attend. Prions, mon frère. Priez ? Priez pour quoi ? Pour la protection divine. Si vous croyez que votre Seigneur s'intéresse à nos petites affaires, alors vous risquez d'être déçu. Mais je vous en prie, ne vous gênez pas pour moi. Tout de même, renier jusqu'à son existence, c'est la seule réponse rationnelle à tous ceux qui voudraient nous faire croire qu'il existe quelque part. Vous portez la bure. Voici venir l'heure de vérité. Où est Jacopo ? De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Ils se réunissent dans l'ombre des dieux romains. Sois libéré de tes craintes. Requiescat in pace. Allez, c'est à vous de jouer. A fui les combats à Vérone ! J'ai perdu plusieurs frères ce jour-là. Où est Jacopo ? Il sait que tu le cherches. Il ne sortira de l'ombre qu'au moment de rejoindre les autres. Je l'attendrai. Mais dis-moi où. La foi nous apporte toujours l'apaisement. Non, la souffrance. Requiescat in pace. Ces œuvres sont parfaites ! Car toutes ces voies sont justes. Là-bas ! Vous allez vous laisser. Là-bas ! Allez ! Descends là tout de suite ! Tu es un homme mort ! Pour l'amour du Seigneur, Renaud ! Sois maudit, démon ! Le Seigneur te rappelle auprès de lui, mon ami. Mon heure n'est pas encore venue ! C'est moi. Puisses-tu enfin trouver le repos éternel, corps et âme. Requiescat in pace. Oui, je vais faire ça. Et ensuite, ils assureront ma protection. Je savais que tu viendrais. Où est Jacopo ? Je suppose que tu comptes lui réserver le même sort. Il n'est pas trop tard pour soulager ta conscience. Nous nous retrouvons
le plus souvent à l'église. Je suis sincèrement désolé que ça finisse ainsi. Requiescat in pace. Ouais, vous le savez certainement, il nous pourchasse, motivé par sa soif de vengeance. Nous n'aurions jamais dû conspirer, mais ce qui est fait est fait. J'ai organisé une rencontre avec le maestro qui se tiendra exactement dans 3 nuits. Il doit à tout prix nous accorder l'asile, à Venise ou auprès de lui, à Rome. Nous nous retrouverons à l'église de San Gimignano, puis nous nous réunirons à l'endroit et à l'heure convenue. Je vous exhorte à être des nôtres. Rester ici serait du suicide. L'assassin ne lâchera pas prise. Nos chances de l'arrêter nous-mêmes sont minces. Avec l'aide du maestro, qui sait, nous pourrions gagner du temps et trouver la solution adéquate. Restez sur vos gardes. Nous avons peut-être perdu Florence, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Puisse le père de la sagesse vous guider. Votre frère, Jacopo. Si je peux le suivre et retenir mon bras assez longtemps, il me mènera aux autres Templiers. Et j'aurai d'autres noms sur ma liste. Pardonnez-moi, maestro. Oh, j'ai fait de mon mieux, mais l'assassin était trop fort. À l'évidence. Sinon les autres seraient avec vous. Et grâce à votre incompétence, Florence est toujours aux mains des Medici. C'est la faute de Francesco. Il s'est montré beaucoup trop impatient. J'ai bien essayé de le raisonner, mais... Vous vous êtes comporté comme un lâche. Parlons de vous, signore Barbarigo. Si vous nous aviez fourni des armes au lieu de cette camelote que vous autres Vénitiens appelez... Assez ! Nous faisions confiance à votre famille, et en retour, vous vous montrez inutile et incapable ? Et quand vous devez rendre compte de vos erreurs, vous avez l'insolence de nous faire affront ! Savez-vous à quoi vous vous exposez ? Je l'ignore. Vous l'ignorez. Moi pas. Hein? Non. Pitié. Non. Non, pas de pitié. Rien n'est perdu. Si vous m'épargniez... Non. Quel gâchis. Je suis désolé de t'avoir devancé, assassin. Tu croyais peut-être que j'ignorais que tu l'avais suivi? Que je ne l'avais pas prévu? Tout était organisé depuis longtemps. Tuez-le. Je sais que vous obéissez aux ordres. Alors libérez-moi et je vous laisse la vie sauve. Va, mon ami. Sois libéré de tes fardeaux et de ta peur. Requiescat in pace. Dieu. Tous les Pazzi sont morts, sans exception. Je dois admettre que jamais je n'avais souhaité si ardemment la mort de certains de mes semblables. Moi non plus. Ezio.
Je voulais te remercier. Grâce à toi, je garde encore l'espoir de réaliser mon rêve. Tout l'honneur est pour moi, Signore. Que vas-tu faire maintenant, mon garçon ? J'ai encore des ennemis à traquer, Signore. Ces rapaces ont déjà planté leurs serres dans le cœur de Venise. Non. La belle Venise. Puisse la fortune guider ton bras et ta lame. Leonardo ! Leonardo ! Il n'est plus ici. Je suis vraiment désolé. Un noble vénitien a commandé à Ser Da Vinci une série de portraits. Il lui a même donné de l'argent pour qu'il installe son atelier à Venise. Une vraie chance pour lui. Je te remercie, mon ami. Leonardo ! Ezio ? Quelle chance ! Je suis confronté à un petit problème. Tu as besoin d'un coup de main ? Je sais comment le réparer, mais je n'y arriverai pas tout seul. Tu pourrais soulever le chariot ? Qu'est-ce que c'est que ça, hein ? On dirait une chauve-souris géante. Oh, ce n'est rien. Un projet sur lequel je travaille. Je ne voulais pas l'abandonner. À quoi ça sert ? Je ne devrais peut-être pas t'en parler. Bah, al diavolo ! J'en ai assez de me taire. Ezio, je crois qu'avec cette machine, l'homme pourra voler comme un oiseau. Bien, je prends les rênes. Mais je ne t'ai même pas dit où je me rendais. Venise, quelle ville magnifique. Tant de sources d'inspiration. Le pont du Rialto, la place Saint-Marc, l'arsenal. Qu'y a-t-il ? Nous ne sommes pas seuls. Que se passe-t-il ? Qui sont-ils ? Les hommes de Rodrigo Borgia. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Je crois qu'ils veulent notre mort. Leonardo, cache-toi ! Accroche-toi ! Ça risque de secouer un peu ! Leonardo, ils sont là pour moi, pas pour toi. Je t'en retrouverai plus tard. Allez, imbécile, poussez-vous ! Attaquez, oh, allez ! Rappelez-vous ce qu'on vous a appris. Allez, vous allez, savez quoi faire, restez calme. Merci, Ezio. Tu m'as sauvé la vie. J'ai fait ce qui s'imposait. Tu en aurais fait autant. Ça, j'en doute. La bravoure n'est pas mon fort. Maintenant, j'ai une dette envers toi. De rien.
Tout le monde à bord! Le départ est imminent! C'est notre bateau. À nous, Venise. Votre invitation? Pardon? Quoi? Tu n'en as pas? On n'entre pas à Venise comme dans un moulin. Qui vous a invité? Personne. Basta! Il vous faut une invitation! Rassure-toi, Leonardo. Je vais trouver un moyen. Faites quelque chose! Aidez-moi! Madonna. Quelle galanterie. Vous devez plaire aux femmes. Je vous remercie. Messer? Auditore. Mais de grâce, appelez-moi Ezio. Je suis Caterina. Alors, Ezio, nous allons bien trouver un moyen de vous remercier. Vous n'auriez pas une petite idée? Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire pour moi. Je vous écoute. Oui, signora. C'est entendu, signora. Il ne vous causera plus de problème. Je peux vous l'assurer. Merci, Caterina. Peut-être nous reverrons-nous un jour. Si jamais vous vous rendez dans la cité de Forlì, je me ferai un plaisir de vous accueillir. Je m'en voudrais de refuser votre hospitalité. Attention, Ezio. Tu sais qui c'était? Ma prochaine conquête. Ça m'étonnerait, Ezio. C'est Caterina Sforza, la fille du duc de Milan. Elle est mariée à... Mariée? Oui, mariée au seigneur de Forlì. Cette femme est aussi redoutable et influente qu'elle est jeune et ravissante. Alors c'est tout à fait mon type. Ça va comme tu veux? Et même mieux que ça. Tes progrès sont incroyables. Incroyables? Tu exagères un peu. Alors, pourquoi on arrête? Une exposition prolongée à l'Animus aurait... des effets secondaires. Génial. T'as aucune raison de t'inquiéter. Tu ne présentes pas de symptômes pour l'instant. Symptômes? Quels symptômes? Dédoublement de personnalité, hallucinations temporelles, troubles cognitifs, perceptions erronées, entre autres. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que... Ce qu'on veut dire, Desmond, c'est que si tu ne fais pas attention, tu n'auras plus besoin de l'Animus pour rejoindre tes ancêtres. Remarque, si tu arrives à te contrôler, pourquoi pas? Mais jusqu'ici, personne n'a réussi. Sauf le sujet 16. Nous ferons attention, Desmond. Il l'avait laissé dans l'Animus beaucoup trop longtemps, parfois des journées entières. Ça n'arrivera pas avec toi. Je l'espère. Bien, je voulais tester ta capacité de rétention. Voir si tu assimiles les aptitudes d'Ezio. D'accord. Parfait. Rejoins-moi en bas quand tu seras prêt. Je me demande ce que le sujet 16 a pu découvrir de si extraordinaire. Je n'en ai aucune idée. D'après Lucie, c'est en rapport avec le Codex, mais je n'en suis pas sûr. Si c'est aussi important qu'il l'a laissé entendre, ça m'intéresse. J'irai chercher moi-même la réponse si je pouvais utiliser l'Animus. Seulement voilà, au lieu de ça, je suis assis là, et je reste sur la touche. Qu'est-ce que tu fais? Attends, tu me surveilles, c'est ça? J'essaie de localiser les autres pages du Codex, voir s'il en reste dans la nature. Et? Ça ne donne pas grand-chose. Il y en aurait une, dans les archives de la Bibliothèque Centrale Nationale, à Florence, et les autres sont sûrement chez des collectionneurs. Des Templiers, probablement. J'enverrai bien quelqu'un sur place, mais nous manquons de personnel. Pourquoi le Codex se serait retrouvé en Italie? Tu es vraiment sûr de toi? Dante Alighieri, par l'intermédiaire de Marco Polo. Tu es sérieux? Je crois que ça remonte à l'an 1321. Je dois encore récupérer les informations, mais ce que je sais, c'est que Marco Polo a rencontré les assassins quand il a été reçu par Kubilai Khan. Je parie que c'est à cette époque qu'il a récupéré le Codex. Ensuite, de retour en Italie, il l'aurait aussitôt remis à Dante. On soupçonne Dante d'avoir été lui-même un assassin. Mais j'ignore ce qui a poussé les deux hommes à se rencontrer. Mais j'y pense. Il y a un moyen de le savoir. Lucie n'apprécierait pas qu'on s'amuse avec l'Animus. Oui, c'est vrai.
Et on a déjà de quoi faire. Tant pis, je contenterai ma curiosité une autre fois. T'as fait du bon boulot aujourd'hui. T'as ça dans le sang. Merci. Je commence à m'habituer. Faut dire, vu les conditions dans lesquelles je faisais ça chez Abstergo, c'est bon d'œuvrer pour la bonne cause. La bonne cause ? Ça reste à prouver. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre ? Au cas où tu l'aurais oublié, Rebecca, nous sommes tous des assassins, ce qui revient à dire que notre mission consiste à assassiner des gens. Seulement quand il le faut. C'est un choix. Toi, tu as choisi de tuer. Je n'ai jamais tué personne. Pour le moment. Mais pourquoi es-tu ici, d'après toi ? Que feras-tu avec les aptitudes d'Ezio, celles que Lucie tient tellement à te voir assimiler ? Tu construiras des écoles en Afrique ? Tu enverras du riz aux populations qui meurent de faim ? Tu serais bien le premier assassin philanthrope de l'histoire. Prendre une vie n'est jamais facile. Personne ici ne prétend le contraire. Mais que cela te plaise ou non, c'est parfois la seule solution. Desmond, si nous voulons vraiment que les choses changent, la mort de certains individus est inévitable. Elle marque un point. Mais ne va pas t'imaginer que tu n'as pas le choix. Après tout, nous avons tous le même objectif, préserver le libre arbitre. Désolé, je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions. Ah, c'est rien. Alors, il te donne du mal ? Le logiciel de traduction est un peu faiblard. Tu as dû remarquer qu'il reste encore de l'italien, j'en suis désolée. T'inquiète pas, la machine d'Abstergo n'était pas parfaite non plus. Quant aux sous-titres, ça aide vraiment beaucoup. Comment tu as atterri ici, toi ? La plupart des assassins sont nés au sein de la confrérie. Tu es bien placé pour le savoir, Desmond. Mais ce n'est pas mon cas. Ça y est, il remet ça. Quoi ? Je réponds à sa question. Bref, j'ai toujours été fasciné par les phénomènes inexpliqués. Et là, on peut dire que je suis servi. C'est comme si la vie était plus intéressante, plus mystérieuse qu'on aurait voulu nous le faire croire. Et quoi ? Tu es tombé sur les assassins par hasard ? Non. Je suis d'abord tombé sur les Templiers, en fait. Abstergo est une grosse compagnie, beaucoup trop grosse. Alors il y a des fuites, fatalement. Comme ce scandale autour du fluoride. Il y a des années, j'étais à l'affût de ce genre d'affaires. J'avais quoi ? 14 ? Peut-être 15 ans ? Tu savais qu'Abstergo appartenait aux Templiers ? Non. Je l'ai découvert plus tard. Mais j'ai tout de suite compris qu'il se tramait quelque chose. Alors je me suis mis à enquêter sur la compagnie. J'ai posté des messages sur les groupes de discussion pour divulguer ce que je savais, trouver des témoins qui pourraient me renseigner. Et tu as attiré l'attention d'Abstergo ? Heureusement, j'ai surtout attiré l'attention de Rebecca. Sinon, j'aurais fini au fond d'un fleuve. Y a pas de quoi. Elle m'a mise en garde. Pour elle, il ne fallait pas plaisanter avec ces gens-là. Et comment t'as réagi ? Je t'ai prise pour une cinglée. Mais maintenant, tu me connais. J'ai compris que tu es seulement dérangée. Bref, pour faire court, j'ai sauvé sa peau. Et pas qu'une fois. Finalement, j'aurais peut-être dû le laisser se débrouiller avec les types d'Abstergo. Je me demande ce que j'aurais fait sans toi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai un don, Desmond. J'ai un don pour voir les choses. J'établis des connexions, un peu comme ta vision d'aigle, mais en plus utile. On lui a proposé de nous rejoindre. C'est exact. En même temps, est-ce que j'avais le choix ? C'était ça ou être en cavale, traqué par l'organisation la plus puissante de la planète. J'ai seulement choisi de vivre, et comme je suis un peu fou, j'ai décidé d'accepter. Depuis, je mène des recherches, j'effectue des analyses, et accroche-toi, j'adore ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir si tu as conservé tes aptitudes. Viens. Les types d'Abstergo nous cherchent. Ils ont plus de ressources et sont mieux équipés. Et d'ici peu de temps, ils auront découvert cet endroit. On doit être prêt à les accueillir. Pour le moment, je veux que tu actives les systèmes de défense de l'entrepôt. Je te laisse trouver un moyen d'atteindre les senseurs. Sois sympa, donne-moi un indice. Ouvre les yeux, Desmond. Me voilà ! Là-bas ! Lucie, je vois des choses. Tes hallucinations durent-elles plus de 30 secondes ? Non. Dans ce cas, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Ok, maintenant dis-moi, pourquoi Ezio ? Pourquoi l'Italie ? On aurait très bien pu faire la même chose avec Altaïr. Le suivre dans ses premières années ? Ça a commencé avec le sujet 16. Ah, ce bon vieux sujet 16. Tu sais qu'il a repeint ma chambre ? Avec son sang ! J'ai consulté son dossier. Vidic s'est concentré sur des sessions en particulier, sur certains de ses ancêtres, à des dates et des lieux différents. Comme l'Afrique ou le Moyen-Orient, mais en fin de compte, il est devenu obsédé par l'Italie. Je crois qu'il savait pour le sanctuaire.
Certains enregistrements de sécession ultérieurs ont disparu. Quant à celles dont nous disposons, après tout ce que les Templiers lui ont fait subir, après tout ce que moi-même je lui ai fait subir, elles sont endommagées. Si nous n'avions pas été aussi loin avec le sujet 16, nous aurions déjà des réponses. Et il serait toujours en vie. Alors vous cherchez le codex et le sanctuaire. Je savais qu'un de tes ancêtres en Italie avait été mêlé à tout ça. Bien, c'est fini pour aujourd'hui. Tu devrais te reposer. Lucie, tu n'es pour rien dans la mort du sujet 16. Tu étais leur prisonnière, comme moi. Merci. Bonne nuit, Desmond. Merci d'être là. Je rêve. Qu'est-ce que c'est? Mais où suis-je? Mais c'est Acre. Altaïr? C'est pas vrai. Je suis même pas dans l'animus. J'ai dû m'évanouir. Et là, faut croire que je suis en plein cauchemar. Faut dire que ça fait longtemps que j'ai pas dormi. C'est pas très surprenant. C'est sûrement sa cible. C'est la fille d'Acre? C'était quoi son nom? Maria, c'est ça. Je me demande ce qu'il lui veut. Oh! Bon, je m'attendais pas à ça. Une seconde. Je ne devrais pas suivre Altaïr? Je suis coincé ici avec Maria? Oh merde. Ça veut dire que... Il est vraiment bizarre ce rêve. Désolée de faire éruption comme ça, mais il est tard et on... Eh, ça va? Ouais, ça va. Un mauvais rêve, c'est tout. Tant mieux. Je te laisse te préparer. À tout de suite. Ah, tu es tombé du lit ou quoi? Désolé, mauvaise nuit. Fais attention, ton professionnalisme te perdra. Fous-lui la paix. Désolé, mais on a du pain sur la planche et ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Tu comprends ça? Sean! C'est bon, ça suffit. Très bien. Hey. Salut. Est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est bon, tout va bien. T'es sûr? Nous avons perdu 2 équipes cette nuit. 8 de nos agents sont... morts. Désolé. Je sais plus quoi faire. La situation empire de jour en jour. Hé, hey, tu te rappelles ce que tu m'as dit? Il faut garder espoir. Et regarde, on est là, sains et saufs. Pour combien de temps? Et s'ils nous trouvent, tu parles. Quand ça arrivera. Si ça arrive, on verra. Je vais te protéger. Très bien. Il est temps que je me ressaisisse. Faut que je me mette au travail. Et toi aussi.
Messer Da Vinci. Oui. Bonjour, bienvenue. Je suis Alvise. Il signor Donna m'a demandé de vous conduire à l'atelier. Êtes-vous prêt? Nos marchés sont uniques. Ils s'étendent à perte de vue. Vous y trouverez des épices, de la soie, mais aussi plusieurs... plusieurs... On t'a dit de rester chez toi! Pourtant, je suis en règle. J'ai le droit de vendre mes marchandises. Ce n'est pas ce que dit Emilio. Non! Non! Non. Arrêtez! Poursuivons la visite. Ailleurs. Regarde, n'est-ce pas une merveille? Peux-tu m'avancer l'argent? Vois-tu, ma bourse est restée dans mes bagages. Hé! Fais attention, Corleone! Devant vous, le palais de la soie, demeure d'Emilio Barbari. Je vous proposerai bien de la visiter, mais... avec les récents événements... Quoi? Quels événements? Emilio cherche à unir tous les marchands sous une seule bannière. Mais certains lui résistent, parfois même violemment. Et pourquoi lui résistent-ils? Ils prétendent se battre au nom du peuple, pour la liberté des inepties de ce genre. Ils sont tous fous, moi je vous le dis. Ils ont saccagé mon étal. J'exige une compensation. Mais tu vas l'avoir. J'en informerai le doge, et j'irai tout raconter au conseil. Ça m'étonnerait, l'ami. Qu'est-ce que vous faites? Nous te mettons aux arrêts pour entrave au commerce. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Aucune loi ne le permet. Maintenant, si. Non! Arrêtez! Maintenant, je vous présente votre atelier, Ser Da Vinci. Nous n'avons pas lésiné sur les moyens. Vous verrez, il est parfait. Vous ne regretterez pas Florence. Je vous souhaite bonne chance. Et j'espère que vous apprécierez Venise autant qu'elle vous apprécie. Bon, nous y voilà. J'ai vraiment hâte. Mais entre donc. Plus tard, peut-être. Je dois me rendre au palais de la soie pour demander une audience à Emilio. Comme tu veux. Mais si tu trouves une page du codex, ou si tu as du temps libre, surtout n'hésite pas. Ma porte est toujours ouverte. Grazie, mon ami. Dis-nous là. Emilio Barbarigo, titan de l'industrie vénitienne, terreur des organisations criminelles. Avec l'aide de sa puissante famille, il fit main basse sur l'économie locale en usant de méthodes infaillibles, comme écraser la concurrence et influencer le gouvernement. Il finançait presque à lui seul toutes les forces de police de Venise. Le maintien de l'ordre était assuré et l'impunité d'Emilio était garantie. Ce dernier se présentait comme un fervent partisan de la République. Pourtant, quand on contrôle l'appareil policier, on peut être tenté de mépriser la volonté populaire et de museler l'opposition, cela va de soi. Comment faire pour entrer? Je pourrais escalader. Non, mauvaise idée. Si je tombe, je me tue. Je dois trouver autre chose. Je te reconnais. Il faut partir. Tu ne t'es pas excusé après m'avoir bousculé. Allez! Va bene, Verrou. Vers l'eau. Si je peux me permettre, c'est un peu vague. Je vais me débrouiller toute seule. Quel est ton nom, déjà? Rosa. Enchantée, Rosa. Je suis Ezio. Je sais. Hugo! Est-ce que ça va? Rosa est blessée. Par ici. Nous allons continuer en bateau. Doucement.
Partez! Je m'occupe des gardes! T'as pas le droit d'aller là-haut! Là-bas, tu ne peux... Continue, Ezio! Dégage tout le bois! Merde! Il est mort, idiota! On se recueillera plus tard. Porco demonio! Voir... Oh, je dois voir Antonio. Doucement! Je m'en occupe. On va trouver Antonio. Bon sang, Hugo, on fait ce qu'il dit! Mais qui est-il pour me donner des ordres? J'en peux... Hé, hé! Réveille-toi! Où est Antonio? Qu'est-ce que vous attendez? Il faut l'allonger! Allonge-la ici. Où suis-je? Chez toi, en sécurité. Merci. Rosa, qu'y a-t-il? Retire-moi cette maudite flèche. Calme-toi, calme-toi. Laisse-moi voir ça. La flèche a traversé la cuisse. Rien de bien grave. Extrais-la! Rosa, si je fais ça, Maintenant! Comme tu veux. Tenez-la. Désolée, ma belle. Désolée! Je vais t'en donner des raisons d'être désolée! Va chercher Bianca, allez vite! Il faut que tu m'aides. Comment? Donne-moi un linge propre. Quand je retire ma main, appuie fort sur la blessure. Tu es prêt? Vas-y. Porca puttana! Parfait. Toi, tu ne manques pas de cran. Eh bien, elle a la peau dure. Allez, emmenez Rosa à l'intérieur. Bianca va la soigner. Ça va aller. Le pire est passé. Que la peste s'abatte sur toi, bastardo! Sur toi et sur la truie qui t'a donné la vie! Merci. Rosa est ce que j'ai de plus cher. Si je la perdais... J'ai toujours eu un faible pour les jolies femmes en détresse. Oui, il paraît. Ne sois pas surpris. Nous savons tout sur toi, Ezio. À en croire tes exploits dans toute la Toscane, tu es efficace, quoiqu'un peu... impulsif. Alors tu sais pourquoi je suis ici? Je le devine. Quand tu auras une minute, rejoins-moi dans mon bureau. Nous bavarderons un peu. Ezio. Prego. Je peux t'offrir quelque chose? Des biscuits? Du café? Du café? C'est une infusion délicieuse que m'a rapporté un marchand turc. Tiens. Goûte-moi ça. Un peu trop amer à mon goût. Je dirais qu'il manque quelque chose. Je ne sais pas, une cuillerée de sucre peut-être? Ou du lait? Tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Assez parlé de ça. Où en étions-nous? Notre déroute au palais nous a coûté très cher. Nous allons devoir nous relever. Mais Emilio profitera sûrement de la trêve pour renforcer ses défenses. Mais aussi pour continuer d'opprimer tout le quartier. Ce combat n'est pas le tien. Mais nous avons le même but. Rassemblez vos forces et lancez une nouvelle attaque. Agir à la hâte nous infligerait d'autres pertes. Non. Il nous faut des armes et un plan d'action. Je peux difficilement me permettre d'attendre. C'est là que je veux en venir. Rallie notre cause. Mes hommes se remettent lentement de leurs blessures. Trouve-les, ils te diront quoi faire. Plus vite tu les aideras, plus vite nous passerons à l'attaque. Molto bene, Antonio. J'accepte. C'est la bonne décision. Salute, Rosa. Ça a l'air d'aller mieux. Est-ce que tu te plais à Venise? L'endroit est charmant, mais l'odeur est insupportable. C'est écœurant. Alors, quel bon vent t'amène? En fait, j'espérais que tu pourrais m'aider. Bien, mais encore? J'aimerais apprendre à grimper comme toi. Ah. D'accord, je vais te montrer. Je vais plutôt demander à Franco. Franco! Allez, ramène tes fesses! Montre à Ezio comment grimper en haut de cet échafaudage. Avant tout, commence par te suspendre. Et saute pour atteindre le rebord. À ce moment-là, attrape-le avec ta main, et puis hisse-toi. Bien. Tu as compris?
Ouais, je crois. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. À toi de jouer. Saute, Ezio! Attrape le rebord au plus haut de ton saut! Alors? Le verdict? J'ai déjà vu mieux. Arrête, je t'en prie, tu vas finir par me briser le cœur. La récréation est terminée. On va voir ce que tu vaux vraiment. Je suis prêt! Vas-y, entre! Nous voilà prêts à frapper. Dis-moi simplement ce que tu attends de moi. Je ne te décevrai pas. Tu approcheras par en haut une fois la nuit tombée. Milio a posté ses archers autour du palais. Tue-les! Mais sois discret. Au fur et à mesure, mes hommes prendront leur place. Que fais-tu des gardes? Quand tu auras éliminé les archers, nous nous regrouperons devant ce bâtiment. Et alors nous verrons pour la suite. Aucun problème. Je m'occupe des archers et je vous rejoins. Tu as tout compris. Bonne chance. Dieu nous protège. Le voilà! Arrêtez! Bien joué, Ezio. Jusqu'ici, tout se déroule comme prévu. En ce moment, mes hommes remplacent les archers que tu as tués. Nous allons pouvoir nous approcher du palais. Oui, mais pas nous y introduire. Les gardes d'Emilio patrouillent tout autour. Envoie mes hommes. Ils occuperont les gardes un moment. Tu n'auras pas besoin de te battre. Et surtout, quand viendra le moment de l'assaut? Pense à ce que je t'ai appris. Sois prudent, Ezio. J'espère que tu réussiras. Votre petit château de cartes s'écroule, Emilio. D'un léger contretemps, ce sera vite réglé. Ce pauvre idiot d'Antonio, avec sa bande de voleurs... Oubliez-les. Vous devez vous concentrer sur l'assassin. Pourquoi? Il est à Venise? Depuis plusieurs semaines. Êtes-vous aveugle à ce point? Contrairement à vous, je fais affaire. Je ne vous permets pas, Carlo. Vous avez autre chose à me dire? Le maestro veut tous nous voir. Dans trois jours, à Santo Stefano. Très bien. J'y serai. Oui, si vous êtes toujours en vie. Il ne comprend rien. Les... Guardia! Guardia! Tu n'as pas à avoir peur. Je n'ai pas peur, assassin. Tu ne comprends pas. Je cherchais l'unité, la stabilité, l'ordre. Et tout cela à quel prix? Tout progrès exige des sacrifices. Je regrette sincèrement que ça se termine ainsi. Mais je n'avais pas le choix. Requiescat in pace. Désolé, c'était trop tentant. Viens, il faut ouvrir la porte à Antonio. Le palais est tombé et Emilio est mort. Merci pour ton aide, Ezio. Allez, retirez les bannières d'Emilio. Rendons au peuple ce qui lui appartient. Dis-moi, Ezio. Comment vais-je bien pouvoir te récompenser? De l'argent suffira. Rien de plus facile. Et quoi d'autre? Emilio s'est entretenu avec un dénommé Carlo.
probablement un dignitaire de l'État. Tu le connais ? Carlo Grimaldi, membre du Conseil des Dix. Pourquoi cette question ? Qu'est-ce que tu prépares ? Je dois assister à une réunion. Où est Emilio ? Je lui ai demandé de venir. Vous lui avez dit ? Vous-même ? Oui, moi-même, en personne. On dirait que vous ne me faites pas confiance. On dirait. Il viendra peut-être avec les autres. Marchons un peu. Bonjour, mon cousin. Signor Carlo ? Emilio n'est pas avec vous ? Emilio est mort. Quoi ? Comment ? L'assassin. Celui-là même qui a éliminé les Pazzi. Il est ici, à Venise. Vraiment ? Silvio, vous ne le saviez pas ? Nous devons nous méfier. S'il était ici en ce moment, nous ne le saurions même pas. Rendez-vous compte, il a frappé Emilio dans son propre palais. Mais alors, qu'allons-nous faire ? Je crains que l'heure ne soit plus à la subtilité, mes frères. Il faut passer à l'acte. Mais Marco, je touche au but ! Laissez-moi quelques jours, si je peux... Non. Nous agirons cette semaine. Il ne faut pas rester là. L'intelligence tactique est très certainement un atout, mon cher Silvio. Mais c'est de la sagesse qu'il faut pour régner. Vous semblez l'avoir oublié. Du calme, mes amis. Voyez, tout cela est inutile. Et puis ce n'est pas vous qui déciderez. Par ailleurs, il n'est pas sûr qu'il choisisse un barbare. J'en ai assez de vos querelles ineptes. Ce n'est pas à vous qu'incombe le choix du doge. Et je ne vous permets pas d'échafauder des plans. Suis-je assez clair ? Pardonnez-nous, maestro. Nous ne cherchons qu'à vous servir. La décision est prise. Le doge Mocenigo mourra ce soir. Et une fois cet acte accompli, Marco prendra sa place. Merci, c'est trop de grâce que vous me faites, maestro. Bien. Messer Grimaldi, vous êtes proche de Mocenigo. Vous jouerez un rôle central. Servez-nous bien, et nous saurons nous en souvenir. Tenez avec moi. Quand pourrez-vous l'approcher ? Je me déplace librement dans le palais. Il ne fait aucun cas de mes propos, mais... il me considère maintenant comme l'un des siens. Bravo. Vous allez vous introduire dans les cuisines et empoisonner son repas. Ce sera fait. Pardonnez-moi, maestro, mais ne craignez-vous pas que tout cela devienne trop dangereux pour vous ? Après tout, vous vous êtes impliqué personnellement dans cette conjuration. Si je m'implique, c'est parce que je l'ai jugé nécessaire. Les Pazzi ont déçu nos attentes à Florence. J'espère que vous ne les imiterez pas. Ne vous inquiétez pas. Les Pazzi étaient bien trop stupides pour... Les Pazzi étaient une famille puissante et respectable, qu'un jeune assassin a exterminé à lui tout seul. Je vous conseille de ne pas sous-estimer ce fauteur de troubles qui hante maintenant notre cité. Où les Barbarigo pourraient connaître le même sort. Je vous demande d'agir promptement. Bene, je dois rentrer à Rome. Le temps nous est compté. Ne me décevez pas. Bonjour, mon mignon. Tout va bien ? Je te manque déjà. Désolé, ma chère, mais ce n'est pas toi que je viens voir. Je dois parler à Antonio. C'est urgent. Antonio ! Ezio est là ! Ezio ! Est-ce que tout va bien ?
Carlo Grimaldi et les Barbarigo se sont ligués avec celui qu'on appelle l'Espagnol. Ils projettent d'assassiner le Doge et de le remplacer par l'un des leurs. Toute la cité de Venise et sa flotte seraient à leurs bottes. Et ils me traitent de criminel. Alors, tu vas m'aider? Tu peux compter sur moi, mon frère. Et sur le soutien de mes hommes. Et des femmes. Grazie, amici. Mais, Ezio, je te préviens. Cette fois, ce sera plus difficile. Le palais ducal est le bâtiment le mieux gardé de tout Venise. J'ai toujours aimé les défis. C'est ce qui nous plaît chez toi, Ezio. Viens, allons jeter un œil. On va trouver un moyen. Nous devons explorer les alentours du palais. L'observer sous tous les angles. C'est ainsi qu'on trouvera une entrée. Il y a un campanile juste derrière le palais. Nous pouvons aussi essayer d'escalader l'arrière de la basilique. Qu'en penses-tu ? Ezio, regarde ! C'est bien lui ? Grimaldi ! Vous ne comprenez pas ce que je vous propose, signore. Je vous en prie, écoutez-moi. Ou ce sera votre dernière chance. Comment osez-vous ? Désolé, excusez-moi. Vous m'avez mal compris, je m'inquiète pour votre sécurité. Nous allons manquer de temps. On ne passera pas par cette grille. Il y a des gardes partout. Diavolo ! Avec moi. C'est impossible. À moins de se laisser pousser des ailes, on n'entrera pas. Oui, des ailes. Mais où est-ce que tu vas ? Je vais voir mon ami, Leonardo. Carlo Grimaldi. Il vivait dans un palais à Monaco. Désireux de conquérir le pouvoir politique, il devint rapidement l'un des hôtes de marque des nobles de Venise. Réputé pour sa grande discrétion, Carlo fréquenta très tôt les coulisses du pouvoir. Il finit tout naturellement par siéger au Conseil des Dix. Un jour, alors qu'il rendait visite à Ignazio Contarini, qui présidait le conseil, Carlo rencontra la fille de celui-ci. Elle avait désespérément besoin d'aide et, convaincue que Carlo était digne de confiance, elle lui avoua son secret. Son père avait arrangé son mariage, mais elle voulait s'enfuir avec le fils d'un des domestiques. Ils s'aimaient depuis leur plus tendre enfance et ils projetaient de refaire leur vie à Milan, loin de l'influence d'Ignazio. Carlo leur suggéra d'agir sans attendre et de quitter la cité en bateau la nuit. Les deux tourtereaux suivirent ses instructions. Ils croyaient qu'une fois à bord, ils vogueraient vers la liberté. Seulement, voilà, Ignazio apparut sur le pont. Carlo fut récompensé pour sa loyauté envers les Contarini. Quant au projet des deux amoureux, eh bien, ils tombèrent à l'eau. J'ai besoin de toi, Leonardo. Elle fonctionne ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce qu'elle fonctionne, Leonardo ? Est-ce qu'elle peut nous faire voler ? Je ne sais pas. Ce n'est qu'une ébauche, un projet. Elle n'est pas prête. Tu l'as essayé ? Non, c'est trop dangereux. Il faudrait s'élancer du haut d'une tour. Personne ne serait assez fou pour faire une chose pareille. Leonardo, je crois bien que tu as trouvé ton homme. Alors, comment ça marche ? Tu as déjà observé un oiseau en vol ? Ce qui compte, ce n'est pas le poids, c'est la grâce et l'équilibre. Tu dois utiliser le poids de ton corps pour contrôler ton altitude et ta direction. Bonne chance, Ezio. Mais je n'y arriverai jamais! Tout cela est ridicule! C'est incroyable! Ça a marché! Ça a marché! Tu as volé, Ezio! Tu as volé! Ouais. Mais pas très loin. Et à quoi est-ce que tu t'attendais ? Cette machine n'a pas été conçue pour ça. Bien, écoute, je vais essayer de revoir mes plans. Je trouverai peut-être un moyen d'allonger la durée de vol. Ezio, d'après mes hommes, Carlo a le poison. Il faut faire vite. Antonio, voici Leonardo, l'inventeur de renom qui a construit ce pezzo di merda. Hey, la machine n'y est pour rien. C'est ma faute. J'ai vérifié mes plans à plusieurs reprises et... Ah, c'était pas possible. Je ne sais pas comment voler plus longtemps. Ah, quelle idée insensée ! Eureka ! Mais bien sûr ! C'est ça ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? L'air chaud monte. Il faut du feu. Avec de l'air chaud sous les ailes, la machine montera. Leonardo, un simple feu ne servirait à rien. Pas un feu, Ezio. Une dizaine, allumée dans toute la ville. Si tu pars d'ici, cela pourrait te porter jusqu'au palais ducal. Comment ? Oh, capisco.
Mes hommes s'en chargeront. Reste le problème des gardes. Ne t'inquiète pas, j'en fais mon affaire. Je vais faire passer le mot à mes hommes, ils vont te suivre. Et rester à ces endroits. Ils allumeront les feux dès que le soleil se couchera sur Saint-Marc. C'est le moment. Tu as réussi. C'est magnifique. Oui. Espérons que ça marchera. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Écoute-moi bien, Ezio. Tu vas devoir te déplacer de feu en feu. Chaque fois que tu en survoleras un, la chaleur te permettra de remonter un peu. Bene. Mais sois prudent. Ils ont posté des archers sur les toits. Évite leurs flèches. Ou tu n'iras pas loin. Si je pouvais me servir de mon épée tout en dirigeant cette machine. Eh bien, il te reste tes pieds. Si tu peux te rapprocher des gardes sans prendre une flèche, tu arriveras peut-être à les faire tomber. Pas bête. C'est maintenant ou jamais, mon ami. Ma cosa ! Un démon volant ! Tire ! Tire ! Qu'est-ce que c'était ? Rien du tout. Des enfants qui jouent, avec des feux d'artifice. Venez, c'est à vous. Non ! Signore, ne buvez pas ! C'est trop tard. Le doge est mort. Quoi ? Carlo ? Je suis désolé, signore. Vous auriez dû m'écouter quand vous en aviez l'occasion. Je crains que tu n'aies échoué, assassin. Pardon, signore. J'ai essayé. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Oh. Assassino ! Assassino ! Il a tué le doge ! Le doge est mort ! Il est à vous ! Là-bas ! Attrapez-le ! Rien de tel qu'un assassin pour en tuer un autre, n'est-ce pas ? Nous tuons seulement si c'est dans notre intérêt, n'est-ce pas, Messer Ezio ? Non, je ne fais pas ça pour moi. Si je te sacrifie, c'est uniquement pour le bien de mes semblables. Requiescat in pace. Tu m'as tué. Tu m'as tué ! Dio mio, tu es vivant ? Est-ce que c'est vrai ? Tu as tué le doge ? J'ai essayé de le sauver, Leonardo. La vérité importe peu. J'ai échoué. Je suis l'homme le plus recherché de tout Venise. Dans ton malheur, tu as de la chance. Venise fête le carnaval. C'est le moment où tout le monde cache son vrai visage. D'où ma présence. Aurais-tu un masque à me prêter ? Oui, bien sûr. J'ai ça quelque part. Merci, mon ami. J'ai quelque chose pour toi. Oh ! Une page du codex ! Ah ! Celle-ci est plus complexe. Ce sont encore des plans. Un mécanisme pour ton poignet, mais pas une lame. En fait, ça ressemble à une sorte d'arme à feu. À peine plus grande qu'un colibri. Comment est-ce possible ? Excellente question. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Tu t'es encore surpassé, l'ami. Ma certo.
Mais je suppose que tu n'es pas revenu pour t'amuser avec de nouveaux jouets. Mais ici, à cause de cet horrible doge qu'ils ont choisi, Marco Barbarigo. Alors je te conseille d'aller voir ton ami Antonio. Je l'ai croisé plus d'une fois ces jours-ci chez une amie commune. Tu le trouveras dans le quartier du Dorso Duro, au sud. Demande la sœur Teodora. Une sœur? Oui, enfin, si on veut, une sœur. Ezio, si tu vas là-bas, ce sera sans tes armes. Grazie, Leonardo. Ah, et pour ce qui est du masque? Marco Barbarigo. Si son frère Agostino semblait promis à tous les honneurs, Marco laissa également son empreinte dans l'histoire de Venise. Il devint un véritable tyran dès qu'il fut en âge de marcher. Il obtenait tout ce qu'il voulait. Ses entrées mentionnent des bijoux, des flottes de vaisseaux, des biens destinés à son usage personnel, mais payés par sa famille. Il y a aussi quelques détails sur sa vie privée. Carlotta, son épouse, fut autrefois mariée à Dante Moro, le garde du corps de Marco. Dante était capitaine de la garde. C'était aussi l'un des héritiers d'une des familles les plus illustres de Venise. Marco était l'un de ses meilleurs amis, du moins jusqu'à ce qu'il décide de conquérir Carlotta. Dans la religion catholique, les époux restent unis jusqu'à ce que la mort les sépare. Marco était un bon catholique, alors il décida de faire assassiner Dante. Dante reçut 3 coups de couteau dans le corps et un autre à la tête. Il survécut, mais garda des séquelles neurologiques très graves. Dante était devenu simple d'esprit. Alors, que fit Marco? Il l'engagea en tant que garde du corps et lui fit signer une déclaration ayant pour effet d'annuler le mariage. Marco épousa Carlotta et Dante devint son serviteur. Voilà un homme plein de sollicitude. Antonio, il faut qu'on parle. Ezio! Ezio Auditore! Teodora! Je te présente le plus talentueux des hommes de Venise. Madonna. Ah, c'est vous, la sœur Teodora. J'ignorais que tu avais décidé d'embrasser la religion. La religion peut prendre différentes formes, mon fils. Les femmes aussi ont droit à la rédemption. En douterais-tu? Bien, joins-toi à nous. Prends un verre. Avec les filles. Ah! Assassin! Boucher! Il a tué Lucia et il lui a pris son argent. Eh bien, messer Ezio, c'est l'occasion de nous montrer tes talents. Arrête-le! Ne m'oblige pas à en tuer une autre! Nous te sommes reconnaissants, Ezio. Les ennuis te suivent partout, où que tu ailles. Antonio, tu sais pourquoi je suis ici? Pour débarrasser Venise de Marco Barbarigo? Franchement, Ezio, tu vas pas remettre ça. Le nouveau doge est un trop gros poisson, tu peux me faire confiance. Ce templier ne quittera jamais son palais. C'est vrai, sauf dans la soirée. Marco ne peut pas manquer le carnaval. Et comment le sais-tu? Il va donner la plus grande fête jamais organisée. Mais y assister ne sera pas facile. Il te faudra un masque d'or pour entrer. Il ne va pas croire qu'il suffirait d'en fabriquer un, car vois-tu, Ezio, chaque masque est numéroté. Mais rien n'est perdu. J'ai peut-être une idée. Nous allons t'aider à remporter un masque. Signore et signori, approchez, approchez! Les jeux du carnaval vont bientôt commencer. Vous aussi, vous pouvez participer et tenter de remporter un prix des plus prestigieux. Cette année, comme chaque année, ce superbe masque d'or permettra à un et à un seul d'entre vous d'assister au bal qu'organise notre doge bien-aimé. Comment ne pas être tenté par une récompense aussi flatteuse? Venez, entrez en lice. Ce soir, celui d'entre vous qui aura été sacré champion dans chacune des 4 épreuves aura l'honneur d'être l'invité personnel du doge. Malheureux combattants, je vous salue. Ce jeu est simple. Il n'y a qu'une règle. Aucune arme n'est autorisée. Les combats vont se succéder, mais à la fin, il ne peut en rester qu'un. Est-ce que ce sera toi ou toi? Qui remportera le masque d'or? Qui d'autre veut tenter sa chance? Avons-nous un autre combattant? On dirait que celui-ci se prend pour le champion de service.
Vas-y, Dante, montre-lui ce qu'il en coûte de se surestimer. Alors, avons-nous un volontaire pour défier notre champion? Dois-je le déclarer vainqueur? Ah! Voilà d'autres combattants! Alors comme ça, on oublie les règles, hein? Die, die. Il vous suffit d'attaquer au bon moment. Capito. Signore et signori, cette année, les célèbres jeux du carnaval s'achèvent sur une note glorieuse. Notre vainqueur va venir chercher son masque d'or. Notre vainqueur a prouvé qu'il était le plus rapide des coureurs, le plus fort de tous les champions, le plus fin des stratèges, et clairement, le favori de ces dames. Le vainqueur du masque d'or est... Dante Moro. Félicitations. Nous te disons à ce soir. Désolé, Ezio. Nous ne pouvions pas prévoir que Silvio allait tricher. Vraiment? Ma sœur, vous vouliez qu'on vous prévienne si on apercevait la crapule qui a reçu le masque d'or. Il est en route pour la fête du Doge. Parfait. Je vais le rattraper avant qu'il arrive et lui reprendre le masque. Comment? Tu vas le tuer, lui aussi? Oui. Tu sais ce qui est en jeu. Non. Si tu le tues, ils annuleront la fête. Et Marco ira se réfugier dans son palais. Nous avons perdu assez de temps. Contente-toi de voler le masque. Discrètement. Les filles t'aideront. Elles sont en route pour assister à la fête, tu les verras en chemin. Quand elles feront diversion, tu en profiteras pour t'emparer du masque. Va bene, ça me convient. Tu as réussi. Marco est à bord d'un bateau. Il va prononcer son discours dans quelques minutes. En attendant, mêle-toi aux filles. Déplace-toi avec elles pour ne pas te faire repérer. Trouvez-le. Venez aider une pauvre fille. Dans ce quartier. Il va finir par se casser quelque chose. Rira bien qui rira le dernier. Signore et signori, veuillez accueillir notre bien-aimé Doge de Venise. Benvenuti. Bienvenue, mes amis. Bienvenue à l'événement le plus grandiose de la saison. Qu'elle soit en paix ou en guerre, qu'elle soit prospère ou dans la misère, la cité de Venise aura toujours son carnaval. Merde. Il reste à bord du bateau. Je vais devoir y aller à la nage. Je te le déconseille. Ils t'auront vite repéré. Dans ce cas, je vais devoir y aller en... Attends. Ce soir, nous sommes tous réunis pour célébrer notre génie. Les lumières de notre belle cité n'ont pas fini d'éclairer le monde. Bien sûr, ton pistolet, celui qui a arrêté le meurtrier. Les explosions couvriront la détonation. Tire au bon moment, et personne ne remarquera ce que tu as fait. J'aime vraiment ta façon de penser, tu sais. J'attendrai ton retour au bercail, mon fils. Mais, tous ensemble, nous avons relevé la tête. Et la cité de Venise en est ressortie
plus forte que jamais. Non. Il est trop tôt. Je ne suis pas prêt. On l'est rarement. Puisse la mort t'apporter la sérénité. Requiescat in pace. Ah, c'était remarquable. Quel spectacle. Mais quel spectacle. Un vrai héros. Tu dois être épuisé. Viens, détends-toi. Ah, le sauveur de Venise. Je ne sais pas quoi dire. J'avais tort de douter comme je l'ai fait. Après tout, nous verrons bien ce qu'il en ressortira. Ça suffit maintenant. Tu as eu une rude journée. Ton corps est fatigué. Il a besoin de confort. Et de réconfort. J'ai mal partout et je souffre le martyr. J'aurais surtout besoin de réconfort et de chaleur humaine. Oh, ça peut s'arranger. Les filles ? Te voilà. Viens, Ezio. Je voulais te présenter un associé. Voici Agostino Barbarigo, le futur doge de Venise. Grâce à toi. C'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer, illustrissimo. Mes condoléances pour votre frère. Paix à son âme. Il s'est laissé corrompre par Borgia. Une erreur que je n'ai pas l'intention de commettre. Bien, Ezio. Nous devons discuter. Nous avons fini par trouver Silvio Barbarigo. Il est caché dans l'arsenal. Ha ! Caché ? Non, il l'occupe. Et avec 200 mercenaires par-dessus le marché. Vous êtes le doge, non ? Vous ne pouvez pas exiger leur reddition ? Le Conseil des 41 n'a pas encore entériné ma nomination. Et le tour de force de Silvio ne va pas jouer en ma faveur. C'est toute une armée qui est sous ses ordres. Alors aidez-moi à lever la mienne. Je savais que tu dirais ça. Bartolomeo d'Alviano pourra t'aider. Il ne porte pas Silvio dans son cœur. Il vit dans le quartier militaire, au sud-ouest de l'arsenal. Très bien. Je vais aller le trouver. Silvio Barbarigo. Élevé par de riches marchands, il prit conscience de l'importance de la politique le jour où son père fut brutalement dépossédé de son héritage. Par la suite, Silvio travailla pour son oncle, le meurtrier de son père. Et il comprit facilement comment l'amadouer. Très vite, Silvio devint le conseiller de son oncle. Il montra sa valeur en découvrant que les Soranzo complotaient contre les Barbarigo. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Pour fêter Pâques, Silvio avait décidé d'inviter les Soranzo avant qu'ils ne passent à l'action. Dans la cour centrale, on donnait un spectacle pour enfants. Silvio conduisit les parents sur le toit. Il porta un toast en leur honneur avant de faire un signe aux archers cachés derrière les fenêtres de la cour. Les Soranzo n'inquiétèrent jamais plus les Barbarigo. 10 ans plus tard, Silvio s'installa à Venise dans le luxueux palais de son oncle. D'après les livres d'histoire, celui-ci fut retrouvé sans vie dans son lit. Pitié ! Aidez-moi ! Vous étiez avec les troupes de Bartolomeo ? Que s'est-il passé ? Où est-il ? Les hommes de Silvio ont attaqué. Ils l'ont emmené plus loin dans le quartier. Vers le nord. Requiescat in pace. Méfiez-vous, je suis capable de tout. Je m'en réjouis d'avance. Vous serez la risée du peuple pour les années à venir. S'il vous les laisse. Vous n'êtes que des lâches. Je vous ferai mordre la poussière, tous à la fois, avec une main, non, avec les deux, attachés dans le dos. Je parie que vous vous demandez comment c'est possible. Eh bien, c'est pas trop tôt. Je ne sais pas si je dois t'embrasser ou te gifler. Ou les deux, au cas où. Ça ne sera pas la peine. Qui es-tu ? Ezio Auditore de Florence. Je suis venu vous sauver. C'est plutôt toi qui aurais besoin d'être sauvé. Que voulez-vous dire ? Je vous conseille de vous rendre. Jamais ! À quoi bon vivre si je ne peux pas profiter de ma liberté, hein ? Jamais je ne retournerai en cage. Alors tu mordras à la poussière. Tu l'es.
Là que tu fous. Madre Santa, je dois filer. Je suis parti d'ici. Garde. Une petite bande. Avec toi. Ne me tue pas. Bianca. Bianca. Quelque chose ne va pas. D'après toi, regarde cet endroit. Pauvre Bianca. S'il lui est arrivé quelque chose. Ah ah! Oh, ma bien-aimée. Dieu merci, tu n'as rien. Ezio, voici Bianca. Bianca, Ezio. Enchanté. Dis-moi, je connais ton nom, mais j'ignore ce que tu fais ici. Je dois m'occuper de Silvio Barbarigo. On m'a dit que vous m'aideriez. Ah, ça sera avec plaisir. Mais il nous faudra être plus que deux si nous voulons... plus que trois pour affaiblir ces hommes. Comment voulez-vous que nous procédions? Je vais partir et préparer mes hommes au combat. Quel est votre plan? Prends ceci. J'imagine que tu sais t'en servir. Cherche le point le plus élevé de ce quartier. Une fois en haut, allume-la. Mes hommes attendront le signal pour lancer l'attaque. C'est compris. On se retrouve sur le champ de bataille. Je ne veux pas manquer ça. Un impôt sera prélevé sur toutes les marchandises importées qui ne seront pas jugées Bartolomeo a besoin de moi. Je dois retourner à l'arsenal. Salut, Ezio. Je peux vous tenir compagnie? Avec plaisir. Le temps presse! Reviens tout de suite! Il faut partir! Ezio, vas-y! Cette brute devrait te conduire jusqu'à son maître. Mes hommes et moi, nous allons rester ici et empêcher les gardes de te suivre. Vite! Ils vont partir sans nous! Pourquoi ces bateaux? Tu ne cherchais pas à prendre la place du Doge? C'était une diversion. Nous voulions seulement partir, mais... Pour aller où? Je ne dirai rien. Chypre. C'est là-bas qu'ils vont. Ils cherchent... Ne redoutez pas les ténèbres. Accueillez-les, acceptez leur étreinte. Requiescant in pace. Bien joué, Edge. Silvio a été vaincu. Et le quartier militaire est de nouveau sous contrôle. Si tout se passe bien, Venise va enfin renouer avec la paix et la tranquillité, comme au bon vieux temps. Nous allons célébrer cette victoire. Cette nouvelle me réjouit, Bartolomeo. Mais je dois partir. Ma mission a pris une tournure plutôt inattendue. Que veux-tu dire ? Silvio ne cherchait pas à prendre la place de Marco. Il voulait faire diversion, rien de plus. En secret, il se préparait à quitter Venise. Pourquoi? Ça, c'est ce que je dois découvrir.
Ezio, tu es là. Et ne fais pas cette tête. C'est mon anniversaire. C'est vrai? Il faut à tout prix fêter ça. C'est un grand jour. Vraiment? Ça fait déjà 10 ans que mon père et mes frères sont morts sous mes yeux. Déjà 10 ans que je traque les responsables. Et aujourd'hui, je touche au but, mais... Mais je ne sais toujours pas pourquoi ils ont été assassinés. Tu n'en es pas conscient, Ezio, mais grâce à toi, beaucoup de choses ont changé. Basta. Regarde. J'ai un petit cadeau pour toi. Daté du jour où le bateau a levé l'ancre. Le manifeste de l'Arsenal. Le bateau pour Chypre? Tu es sérieuse? Et devine pour quand son retour est prévu? Demain. Ezio. Leonardo, quand es-tu rentré? À l'instant. Je dois te parler. Tout de suite. Je vous laisse. Amusez-vous bien. Ça ne pouvait pas attendre. Oh non, désolé. Viens, marchons, suis-moi. Les deux dernières pages du codex. J'ai étudié des copies. J'ignore comment ce détail a pu m'échapper. Mais en les mettant côte à côte, je me suis aperçu que les inscriptions au verso formaient des mots. Écoute, le prophète apparaîtra quand le deuxième fragment aura rejoint la ville de l'eau. Le prophète ? Seul le prophète peut l'ouvrir. Deux fragments d'Éden. Qu'est-ce que tu dis ? Ezio, explique-moi ! Nous nous connaissons depuis longtemps, Leonardo. S'il y a quelqu'un à qui je peux faire confiance, c'est bien toi. Mon oncle Mario m'a parlé de ça il y a longtemps. Une prophétie cachée dans le Codex. Elle évoque un ancien sanctuaire, renfermant quelque chose de très puissant. C'est fascinant. Mais si tu as pris ces pages au Barbarigo, ils savent sûrement où se trouve le sanctuaire. C'est terrible. Attends. Alors c'est pour ça qu'ils ont envoyé ce bateau à Chypre. Ils veulent trouver ce fragment d'Éden, pour ensuite le ramener à Venise. Quand le deuxième fragment aura rejoint la ville de l'eau, le prophète apparaîtra. Seul le prophète peut ouvrir le sanctuaire. Mon Dieu! Quand mon oncle m'a parlé du Codex, j'étais trop jeune. Trop désinvolte, je pensais que son imagination lui jouait des tours. Mais tout s'éclaire. La mort de Mocenigo, des Medici, de mon père, de mes frères. Il avait tout prévu, ce qu'il voulait. C'était trouver le sanctuaire. L'Espagnol. Rodrigo Borgia. Le bateau doit rentrer de Chypre demain. Et je serai là pour l'accueillir. Bonne chance, mon ami. Oncle Mario? Où est-ce qu'il l'emporte? Maître, attends. Il ne tolérera aucune erreur. Emballez-le bien. Ne perdez pas de temps. L'Espagnol est ici. Voilà qui change tout. Oui? Ce n'est pas le moment de faire n'importe quoi. Reste avec les autres. Ne me déçois pas.
Vous l'avez vraiment? On ne vous a pas suivi. Ne craignez rien. Tout s'est bien déroulé comme prévu. Nous avons suivi vos ordres à la lettre, je puis vous l'assurer, maître. Ezio, ça faisait longtemps. Rodrigo, alors, où se cache-t-il? Qui? Ton prophète. Je n'ai vu personne apparaître, Rodrigo. Combien d'innocents sont morts pour ça? Pour ce qui est dans cette boîte? Regarde, il n'y a que toi et moi ici. Tu prétends ne pas avoir la foi, et pourtant tu es là. Tu ne comprends pas? Le prophète est déjà parmi nous. Je suis le prophète. Maintenant, donne-moi la pomme. Pourquoi ne viens-tu pas la chercher? C'est tout ce que tu sais faire. Et où sont passés tes amis? Mais quels amis? Tu fais semblant de ne pas comprendre, hein? Garde! Allez, porta! Allez! Kétan, il vous suffit d'attaquer au bon moment. Capito? Mario! Ne t'inquiète pas, Ezio! Nous sommes tous là! Volpe? Qu'est-ce que tu fais ici? Nous pourrions te retourner la question! Nous? Trêve de bavardage! Il faut à tout prix arrêter Pange! Avanti! Bianca sera ravi de vous fendre le crâne! C'est pitoyable! Tu peux changer ce qui est écrit! Cette guerre a commencé bien avant que toi et moi nous nous en méfions! C'est tout ce que j'aime, Ezio! Ça, c'est pour mon père, sale. Paola? Il est parti. Mais nous avons ce que nous voulions. Non! Il faut que je le rattrape! Ce n'est pas le moment. Ou bien es-tu là pour une autre raison, mon fils? Theodora? Toi? Mais pourquoi êtes-vous tous là? Probablement pour la même raison que toi, Ezio. Nous attendons la venue du prophète. Je suis venu tuer l'Espagnol. Je me moque bien de votre prophète. Il n'est pas venu. Non. Mais toi, oui. Quoi? La venue du prophète a été annoncée. Et à notre grande surprise, te voilà. Pendant tout ce temps, c'est toi que nous attendions. Quoi? Qui es-tu? Niccolò di Bernardo dei Machiavelli. Je suis un assassin, formé selon des rites ancestraux pour veiller sur l'avenir de l'humanité. Comme toi et comme chacun de nous ici. Vous êtes tous des assassins? Paola? Volpe? C'est exact, Ezio. Pendant toutes ces années, nous t'avons guidé. Nous t'avons enseigné tout ce que tu devais savoir pour nous rejoindre. Je crois qu'il est temps. Nous avons la relique, mais il reste beaucoup à faire. Rejoins-nous au coucher du soleil. La Shaya Wakiun Mutlak Maleb Nkulun Munkine. Tels sont les mots que nos ancêtres ont prononcés. Ils sont le fondement de notre credo. Quand les hommes suivent la vérité aveuglément, rappelle-toi que rien n'est vrai. Quand la morale ou la loi bâillonne l'esprit des hommes, rappelle-toi. Rappelle-toi que tout est permis. Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Rien n'est vrai. Tout est permis. L'heure est venue, Ezio. Les temps ont changé, et notre credo lui-même a évolué. Mais notre engagement est indéfectible. Es-tu prêt à nous rejoindre? Je le suis. Sur le moment, c'est un peu douloureux. La vie est ainsi faite. Benvenuto, Ezio. Te voilà l'un d'entre nous. Viens, nous avons affaire.
Est-ce que ça va? Tu veux arrêter? Non! Je dois y retourner! Maintenant! Oh non! C'est pas vrai! Sean? Bien sûr! Comment ai-je pu oublier ça? Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? Rodrigo Borgia est devenu pape en 1492, ce qui signifie que le pire ennemi d'Ezio est maintenant l'homme le plus puissant d'Italie. Il est là le problème. J'ai toujours rêvé de visiter le Vatican. Alors c'est ton jour de chance. C'est exactement ce que tu vas faire. C'est fascinant. Vraiment, c'est fascinant. Qu'est-ce que c'est, Leonardo? À quoi ça sert? Je ne peux pas l'expliquer, pas plus que je ne peux expliquer pourquoi la Terre tourne autour du Soleil. Tu veux dire le Soleil autour de la Terre? C'est fabriqué avec des matériaux qui n'existent pas encore, et pourtant, il s'agit à l'évidence d'une relique très ancienne. D'après le Codex, il s'agirait d'un fragment d'Éden. L'Espagnol l'a appelé la pomme. Comme la pomme d'Ève, le savoir interdit. Tu sous-entends que cet objet... Elle ne doit jamais tomber en de mauvaises mains. Les esprits faibles n'y survivraient pas. L'Espagnol serait prêt à tout pour la récupérer, cela ne fait aucun doute. Ezio, tu vas devoir mettre à profit tout ce que je t'ai enseigné pour la protéger. Porte-la, Forli. Une citadelle imprenable, défendue par des canons, et sous contrôle d'un de nos alliés. Et qui est cet allié? Une femme qui s'appelle Caterina Sforza. Si je m'attendais, je sens que cette mission va me plaire. Encore merci pour tout, mon fidèle ami. Leonardo, Ezio m'a dit que tu te rendais fréquemment à Milan. Je possède une grande villa en Toscane. Passe donc me voir un de ces jours. Tiens, tiens. Regardez qui est là. Madonna. J'ai tout de suite compris que vous n'étiez pas n'importe qui, mais un assassin. Les canons de notre belle citadelle sont centenaires. Je puis vous garantir que votre relique y sera en sécurité. Pardonnez-moi, mais je n'avais jamais rencontré une femme qui gouverne sa propre cité. Je suis un peu impressionné. Eh bien, autrefois c'est mon mari qui régnait, mais... il est mort. Oh. Je suis désolé. Je l'ai fait assassiner. Oh. Nous avons découvert que Girolamo Riario travaillait pour le comte des Templiers. Il dressait une carte des lieux où sont cachées les autres pages du Codex. Je n'ai jamais porté ce sale traître dans mon cœur. C'était un mauvais père, un amant médiocre et un compagnon exécrable. Regarde. Oh non. Mio Dio. Courez, courez. C'est de la folie. Ils ont tous perdu la tête. Attendez! Que se passe-t-il? Ils sont arrivés quand vous avez quitté les remparts, signora. La cité est attaquée. Quoi? Par qui? Par les frères Orsi, signora. Ah, qu'ils soient maudits! Qui sont les frères Orsi? Les crapules que j'ai engagés pour tuer mon mari! C'est l'Espagnol qui est derrière tout ça. Les Orsi ne s'intéressent qu'à l'argent, pas au pouvoir. Mais comment a-t-il su que la pomme était ici? Nous venons à peine d'arriver. Ils ne sont pas là pour la pomme, Ezio. C'est la carte de Riario qu'ils sont venus chercher. Ne parlez plus de cette carte, Niccolo. Mes enfants sont à l'intérieur. Oh, porco demonio! Ils sont entrés! Mais ils ne perdent rien pour attendre. Vous savez s'il existe un autre accès? Attendez. Oui, peut-être. Un ancien tunnel qui longe le mur ouest en partant du canal. Bene. Je reviens tout de suite. La guilde ne va pas apprécier du tout. Quelqu'un a vu le feu? Thank you.
Il va falloir que vous êtes courus devant les murs de ma citadelle jusqu'à ce que vos cadavres soient décomposés. Ah, Dieu tout-puissant! Je me demande bien où ils sont allés vous chercher. Laissez-moi trimer. Non, bah, comment, pas l'air. Ça de toute ma vie, je n'ai encore jamais vu ça. Ezio, tu as réussi! Suis-moi! Bambini! Mais où sont Bianca et Ottaviano? Je suis désolée, signora. Ils étaient sortis jouer avant l'attaque, je ne sais pas où ils sont. Des renforts arrivent par les montagnes! Ils vont pénétrer dans la citadelle! Ezio, empêche-les d'approcher, ces fils de chiens! Suis-moi! Chose que tu aimerais bien récupérer. Ah, tes enfants te manquent peut-être. Oh, Ezio Auditore. Quelle agréable surprise. Laissez-moi deviner, vous êtes les frères Orsi? Ludovico. Et Checco. C'est bien nous, à ton service. Basta! Qu'avez-vous fait de mes enfants? Relâchez-les! Bien sûr, signora. Nous serons ravis de te les rendre, ou plutôt de les échanger. Disons, contre une carte. Je crois que tu oublies la pomme, mon cher frère. Ah oui, et la pomme, c'est vrai. Si tu refuses, je me ferai un plaisir d'égorger ta progéniture. Bastardi! Comment osez-vous me menacer? Je ne vous donnerai rien! Vous avez mes enfants? Gardez-les! J'ai tout ce qu'il me faut pour en faire d'autres. Si tu changes d'avis, ils seront dans le village aux abords de la cité! Tu as une heure! Caterina, non. Je ne peux pas vous laisser sacrifier vos enfants. Mais je n'ai pas l'intention de les sacrifier. Vous allez me les ramener, Ezio. Oui. Vous avez ma parole. La pomme sera en sécurité dans la citadelle. Veille sur elle. Checco et Ludovico Orsi. Lassés de la vie tranquille qu'ils menaient à la campagne, les frères Orsi décidèrent de mettre un peu de piment dans leur vie. Ils s'installèrent comme prêteurs sur gage. Le succès fut immédiat, principalement en raison du fait qu'ils tuaient tous ceux qui ne les remboursaient pas. Plus tard, Catherine Sforza les engagea pour tuer son mari, le Templier Jérôme Riario, une tâche dont ils s'acquittèrent d'une façon quelque peu cavalière. Ils s'introduisirent dans son palais, firent irruption dans la salle à manger et le poignardèrent avant de piller ses biens et d'abandonner son corps dénudé au beau milieu de la ville. D'après les fichiers d'Abstergo, Rodrigo Borgia, après avoir fui Venise, leur offrit une récompense pour qu'ils lui rapportent le fragment d'Éden et bien sûr, la tête de Catherine. Ce sont les frères Orsi qui eurent l'idée d'enlever ses enfants. Si même les riches deviennent malveillants, où va le monde? On se le demande. Vous n'êtes que... me surveillez? Vous n'avez aucune chance. Grazie, grazie, messere. Mais mon frère, il retient Ottaviano auprès du phare. S'il te plaît, aide-moi, je veux pas rester ici. Tu vas te taire, petit morveux. Allez, Caterina, montre-toi, la pomme et la carte, ou ton bambin va finir. J'ai envie de faire pipi, s'il vous plaît, monsieur. Arrête de faire le bébé, t'es un grand garçon maintenant. C'est ta dernière chance, Caterina! La pomme maintenant, ou je lui brise les deux jambes! Descends! Oh.
Caterina a commis une erreur en t'envoyant. C'est toi qui as commis une erreur en te montrant aussi cupide. Est-ce qu'au moins ça en valait la peine? Plus que tu ne le crois. Le maestro a eu ce qu'il voulait, grâce à moi. Tu peux emporter ta fierté dans la tombe. Elle ne te servira à rien. Requiescat in pace. Grazie, signore. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis désolée, Ezio. Vraiment désolée. Pourquoi? Ce n'était qu'une ruse, pour nous faire baisser notre garde. Peu après ton départ, ils ont lancé une autre attaque. Checco Orsi, il a la pomme. Quoi? Non! Où est-il? Nous l'avons suivi jusqu'ici. Mais ce bastardo s'est enfui dans les montagnes. Je vous laisse. Il ne devrait pas être là, là-bas. Ne le laissez pas s'enfuir. On va l'attraper. Merde, vite, il s'échappe. Alors, tu as récupéré ta relique? Tout ce sang versé, ça en valait la peine. Un objet d'une si grande valeur. Crois-moi, tu ne le garderas pas longtemps. C'est ce que nous verrons. La cupidité n'engendre rien d'autre que le malheur. Requiescat in pace. Attendez. Non. Qui êtes-vous? Non. Ne l'ouvrez pas. Ezio, Dieu merci, tu es revenu à toi. Est-ce que ça va? Qu'est-il arrivé? Je l'ignore. C'est un de mes gardes qui t'a trouvé dans les collines. Près du cadavre de Checco Orsi. Ouais. Je me souviens. Attends. Il y avait quelqu'un d'autre. Il a pris la pomme. Qui? Il portait une bure noire, comme les moines. Et je crois qu'il lui manquait un doigt. Oui. Caterina, je dois partir. Tout de suite. Bien sûr. Tiens, tu risques d'en avoir besoin. La carte dont parlait Niccolò, que ton époux... Ex-époux, mio caro. Il s'était juré de retrouver la trace de toutes les autres pages du Codex. Tu récupéreras la pomme, mais tu n'arriveras pas au sanctuaire sans cette carte. Ezio, il y a une abbaye dans les marais près d'ici. J'y ai vu des moines vêtus de noir. Commence par là. Allez, retrouve la trace de ce maudit moine. Tu vas beaucoup me manquer, Caterina. Oh, ils disent tous ça. Un message à l'attention de tous les membres de la fraternité de Saint-Paul. Nos fonds ont été dilapidés par l'ancien... Pardonnez-moi, mon frère. Je me demandais si... Ah ! Maudit démon, c'est encore toi ! Va-t'en ! Ça ne va pas ? C'est toi qui as tué le frère Stefano ! Attention ! Le tueur de moines est de retour ! Restez pas là ! Pitié ! Je ne veux pas mourir ! Je ne tue que les meurtriers. Et votre frère Stefano avait du sang sur les mains. Je suis sûr que ce n'est pas votre cas. Maintenant, écoutez-moi. Je cherche un moine portant une bure noire à qui il manque un doigt. À qui il manque un doigt, dites-vous? Vous voulez parler du frère Savonarola? Savonarola? Qui est-ce? Vous le connaissez? Oui, il était l'un des nôtres, autrefois. Et maintenant? Eh bien, nous l'avons encouragé à prendre une retraite amplement méritée. J'ai bien peur que pour lui, les vacances soient terminées. Savez-vous où il se trouve? Attendez, Santo Spirito, à Florence? C'est là...
qu'il a étudié. Il a peut-être eu envie d'y retourner. Je vous remercie. Allez en paix, mon frère. Jérôme Savonarole. Ce frère dominicain de Ferrara prenait sa fonction très au sérieux. Il fut le témoin des excès de son époque, où les riches accablaient les pauvres, où les prêtres vendaient des indulgences à la population, et il perdit la raison. Persuadé d'être l'instrument de Dieu, Savonarole se rendit à Florence, où ses sermons rendirent le peuple totalement hystérique. Il exigeait la fin de la propriété privée, niait le progrès et prônait un retour à l'Éden perdu. Le savoir devint l'ennemi. Puisqu'il détenait le fragment d'Éden, il avait le pouvoir de tout détruire. C'est ainsi que livres, tableaux et instruments de musique furent brûlés sur le bûcher des vanités. Tout se précipita quand ses légions de partisans prirent le contrôle de Florence qui sombra aussitôt dans les ténèbres. Bonjour, Ezio. Tu as choisi le bon moment pour rentrer au pays. Alors c'est vrai? Ce Savonarole a pris le contrôle de Florence? Oui. Et avec l'aide de cette maudite relique, à n'en pas douter. Dans ce cas, nous devons la récupérer. Ce sera sûrement plus difficile que tu ne crois. Comme c'est étonnant. Explique-moi la situation. Marchons un peu. Ça a commencé il y a quelques semaines. Cet homme, autrefois honni de tous, a soudainement fait l'objet d'un culte. Ah, la pomme. Pas seulement. Ce n'est pas la cité qui l'a ensorcelé, mais ses chefs. Ceux qui ont de l'influence et du pouvoir. Aujourd'hui, ils exécutent ses volontés et tyrannisent les citoyens. Le peuple se comporte comme s'il n'avait pas son mot à dire. Ezio, le peuple remet rarement en question l'ordre établi. Et c'est à nous, assassins, qu'il incombe de lui ouvrir les yeux. Bien l'emblème des Borgia que je vois sur ces cadavres. Oui. L'Espagnol continue d'envoyer ses soldats à Florence, et Florence continue de les lui renvoyer, le plus souvent en petits morceaux. Alors lui aussi sait que la pomme est ici. Voilà qui n'arrange pas nos affaires. Un assaut direct serait trop risqué. Tu as raison. Mais alors, que proposes-tu? Mis à part les chefs de la cité, les habitants ont toutes leurs facultés, c'est exact? Oui. Donc, ils ne soutiennent pas Savonarola par choix, mais parce qu'ils y sont contraints. Oui. Nous allons utiliser la situation à notre avantage. En réduisant ses lieutenants au silence et en provoquant une révolte, nous détournerons son attention, et je pourrai passer à l'acte. Très ingénieux. Je vais en parler à la Volpe et à Paola. Ils organiseront le soulèvement pendant que toi, tu libéreras les quartiers. Ça devrait marcher. Je vais m'occuper de ses complices. Omnipotens Deus Rex Regum, et omnium gubernator, cuius juntas tua, sic... J'ai cru qu'il prêchait la parole du Seigneur. Ces sermons ne sont que des mensonges. J'ai laissé mon troupeau s'égarer. Je voulais tellement y croire. Comme nous tous. Je suis ici dans un seul but. Je veux accomplir l'œuvre de mon père. Requiescat in pace. C'est pourtant simple, mes amis. Vous voulez être soigné? Dans ce cas, vous devez d'abord vous soumettre à notre nouveau souverain. Pourquoi ne pas admettre la vérité? C'est un homme bon. Je ne reste pas là. Personne n'est autorisé à passer. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Tant que vous refuserez de vous soumettre à Savonarola, notre prophète, je ne laisserai personne franchir ce pont. Tous autant que vous êtes. Renoncez à la facilité et au bien matériel. La rédemption passe par les flammes. Mais qu'ai-je fait? Mais qu'ai-je fait? Tu ne savais pas ce que tu faisais.
Je suis seul responsable de mes actes. En doutant de moi, je l'ai laissé me contrôler. Je suis désolé. Pas autant que moi. Tout cela est bien triste. Mais je n'avais pas le choix. Requiescat in pace. Bon travail, Ezio. Que va-t-il se passer? Regarde. Silence! J'exige le silence! Pourquoi êtes-vous ici? Comment osez-vous me déranger? Vous devriez purifier vos foyers! Purifier vos âmes! Il y a tant de péchés à nourrir, de prières à réciter, de péchés à confesser! Vous ferez ce que je vous ordonne! Ah! Non! Dieu punira ce sacrilège! Vous n'avez pas le droit de traiter son prophète de la sorte! Vous êtes des impies, des hérétiques, vous brûlerez tous en enfer! Vous m'entendez? En enfer! Seigneur et Dieu, il ne faut pas de l'emprise de mourir! Accorde-moi la vie ici! Nul ne mérite de mourir de telles souffrances. C'est toi. Je savais que ce jour arriverait. Je t'en supplie. J'implore ta pitié. Tu l'as. Tu peux partir. Tu vas bientôt comparaître devant ton Dieu. Requiescat in pace. Écoutez-moi! Écoutez-moi! Il y a 22 ans, je me trouvais à cet endroit. J'ai vu ceux que j'aimais mourir, trahis par ceux qui étaient mes amis. La soif de vengeance me rongeait. Elle m'aurait consumé. Sans la sagesse et le soutien d'une poignée d'étrangers qui m'ont appris à contenir ma rancœur. Ils ne m'ont pas apporté de réponse, mais ils m'ont aidé à les trouver moi-même. Personne ne doit nous dicter notre comportement. Ni Savonarola, ni les Medici. Nous sommes libres de suivre notre chemin. Il y en aura toujours pour nous priver de cette liberté. Je vous accorde qu'ils sont trop nombreux. Mais c'est uniquement notre libre arbitre, peu importe comment nous l'exerçons, qui fait de nous des hommes. Aucun livre, aucun professeur n'apporte de réponse. Il y a plusieurs chemins. À vous de trouver le vôtre. Ne me suivez pas. Ne suivez personne. C'est une carte du monde, mais elle indique plusieurs contrées qui n'existent pas. Il faut pourtant croire qu'elles existent. Je suppose que ces terres restent à découvrir, ou à redécouvrir. Comment est-ce possible? La réponse se trouve peut-être dans le sanctuaire. Vous voyez où il peut se trouver? Non. C'est impossible. Le sanctuaire. Le sanctuaire se trouverait à Rome? Alors l'Espagnol... C'est pour ça qu'il s'est fait élire pape. Oui, tout c'est clair. Non seulement il se rapprochait du sanctuaire, mais il mettait la main sur le bâton. Quel bâton? D'après le codex, il existe deux clés. Deux fragments d'Éden qui permettent d'ouvrir le sanctuaire. Le premier est la pomme. Et l'autre clé, c'est le bâton.
Alors le bâton papal est le deuxième fragment d'Éden. Pendant des années, pendant toutes ces années, nous avons cherché des réponses. Et nous venons enfin de les trouver. L'Espagnol en sait peut-être autant que nous. Si c'est le cas, s'il trouve le moyen d'accéder au sanctuaire, en comparaison, le pouvoir de la pomme nous semblera insignifiant. Je vais me rendre à Rome et trouver ce sanctuaire. Que comptez-vous faire ? Ce que nous savons faire de mieux. Nous allons semer la confusion dans la cité. Ainsi, tu auras le champ libre pour te livrer à des recherches. Rodrigo Borgia, surnommé l'Espagnol, déterminé à unifier l'Italie sous la bannière des Templiers, il écrivit l'une des pages les plus sombres et les plus sanglantes de toute l'histoire de l'humanité. Quiconque tentait de s'opposer à sa volonté finissait en petits morceaux au fond d'un sac, ou dans le meilleur des cas, empoisonné. Durant son pontificat, Rodrigo, ou plutôt Alexandre VI, usa de son influence pour déclarer la guerre à tous les royaumes qui résistaient aux Templiers. Enfin, on lui prête une vie de débauche. Les courtisanes, murmure-t-on, arrivaient par centaines au Vatican. Le pape lui-même semblait entretenir avec Lucrèce, sa fille illégitime, une relation plus qu'amicale. Ah, j'ai oublié de préciser que les exécutions ne cessèrent jamais. Non content de sombrer publiquement dans la luxure, Rodrigo continua d'assassiner ses ennemis en secret et renforça ainsi l'emprise des Templiers en attendant que ceux-ci prennent enfin le pouvoir. Ça suffit, Hansa. Hey, là-bas. Assassin ! Assassin ! Vai, vai ! Le connard ! Arrêtez-le ! À ta place, j'éviterai. Tu as avec fermez toi, les portes ! Arrêtez l'intrus ! Allez, Robert, il a aucune chance. Il est très malin. Credo in unum Deum Patrem Omnipotentem, Factorem Celi et Terrae, Visibilium Filium Dei Unigenitum, Deum de Deo, Lumen de Lumine,
Deum verum de Deo vero. Genitum non factum consubstantiarem patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus. Je croyais valoir mieux que ça. Je me suis trompé. J'ai attendu si longtemps. J'ai tant perdu. Requiescat in pace, pauvre fou. Ce n'est pas mon heure. Tu devrais être mort! Je vois. C'est gentil de m'apporter la pomme. Donne-la-moi! Jamais plutôt mourir. Tu ne changeras jamais. Tu es comme ton père. Eh bien, réjouis-toi, mon enfant. Tu vas bientôt le rejoindre. Tu vas me la donner! Comme tu voudras. C'est fascinant! Quelle puissance impressionnante! Mais si tu crois que ça va te sauver, tu te berces d'illusions! Très astucieux! Mais inutile! Tu ne peux pas m'arrêter! Je ne laisserai pas tout gâcher. C'est terminé, Rodrigo. Si tu déposes les armes, je te promets une mort rapide et sans douleur. Vraiment, Ezio. Si tu étais à ma place, renoncerais-tu aussi facilement? Nous allons bientôt le savoir. Quel est cet endroit ? Tu vas t'ouvrir ? Ouvre-toi ! C'est terminé, Rodrigo. Fini les ruses. Fini les vieilles reliques. On oublie les armes. Maintenant, on va voir si tu as du cran, vieux fou. Très bien, alors. Si c'est comme ça que tu veux te battre. Pourquoi t'intéresses-tu au sanctuaire, Rodrigo ? Ainsi tu ignores ce qu'il renferme. Ne me dis pas que vous autres, assassins tout-puissants, ne l'avez pas encore compris. Nous n'avons pas compris quoi ? Ce sanctuaire, c'est la demeure de l'Éternel.
Printemps, voudrais-tu me faire croire que Dieu vit dans les sous-sols du Vatican? C'est quand même plus plausible qu'un royaume dans les nuages, tu ne crois pas? Tu l'imaginais vraiment entouré d'anges et de chérubins qui chantent? C'est une bien belle image. Mais la vérité est autrement plus intéressante. Admettons que tu dises vrai. Comment crois-tu qu'il réagira quand tu ouvriras la porte? Je m'en moque. Je n'ai pas besoin de sa bénédiction, mais de son pouvoir. Et tu crois qu'il te le cédera? Quoi qu'il se trouve derrière ce mur, rien ne peut résister au bâton et à la pomme. Ces reliques peuvent vaincre les dieux. Par définition, Dieu est connaissance. Il est tout-puissant. Tu ne penses quand même pas l'inquiéter avec deux vieilles babioles? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu imagines le Créateur tel que décrit dans des textes archaïques, qui sont de surcroît rédigés par des hommes. Tu es le pape, et tu remets en question le livre fondateur de ta religion? Quelle désolante naïveté! Je suis devenu pape pour avoir les mains libres, pour le pouvoir. Je ne crois pas un piètre mot de ce recueil inepte et grotesque. C'est impossible! Tu ne peux pas! C'est ma destinée! La mienne! C'est moi, le prophète! Ça, c'est ce que tu crois. Très bien, finissons-en. Non. Je pourrais te tuer, mais ça ne ferait pas revenir ma famille. C'est fini. En ce monde, rien n'est vrai. Tout est permis. Requiescat in pace. Sois le bienvenu. Nous t'attendions, prophète. Laisse-nous la voir, lui rendre grâce. Nous devons parler. Qui êtes-vous? J'ai plusieurs noms. À ma mort, j'étais Minerve. Avant cela, on m'appelait Merva ou Mera, et ainsi de suite. Les autres aussi. Junon s'appelait autrefois Uni. Jupiter, jadis connu sous le nom de Tinia. Vous êtes des... dieux? Non, pas des dieux. Simplement, nous étions là, avant. Les hommes se sont toujours efforcés de comprendre notre existence. Nous étions plus évolués que vous. Vous n'étiez pas encore prêts. Non, ça n'a pas changé. Peu importe. Vous ne nous comprenez peut-être pas. Mais vous devez entendre notre mise en garde. Il le faut. Vous tenez des propos qui n'ont aucun sens. Nos paroles ne te sont pas destinées. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a personne d'autre ici. Assez. Ce n'est pas à toi que je parle, mais à travers toi. Tu es le prophète. Tu as accompli ton devoir. Il est en toi. Mais fais silence, s'il te plaît. Laisse-nous communier. Écoute, quand nous étions encore de chair, que notre monde était encore pur, tes semblables nous ont trahis. Pourtant,
pourtant, nous vous avions créé. Nous vous avions donné la vie. Nous étions forts. Vous étiez nombreux. La guerre était inévitable. Nous étions si occupés par ce qui se passait sur Terre que nous avons oublié de regarder vers le ciel. Il était trop tard. Le monde fut la proie des flammes, réduit en cendres. Mais ce n'était pas la fin. Nous vous avions créé à notre image. Vous étiez nés pour survivre. Oui, tout comme nous. Nous n'étions plus qu'une poignée, vous aussi. Cela a exigé des sacrifices, de la force, de la compassion. Mais nous avons tout reconstruit. Et quand la vie est réapparue, nous avons tout fait pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Mais nous sommes en train de mourir. Et le temps joue contre nous. La vérité s'est changée en mythe puis en légende. Notre œuvre est incomprise. Laisse-moi délivrer notre message qu'il subsiste une trace de notre déclin. Mais je veux aussi t'apporter l'espoir. Tu dois trouver les autres temples. Ils ont été bâtis par ceux qui refusent la guerre. Ils ont essayé de nous protéger, de nous sauver des flammes. Si tu peux les trouver, si leur travail peut être sauvé, alors le monde survivra. Mais vite, le temps presse. Méfie-toi de la croix. Nombreux sont ceux qui se mettront en travers de ton chemin. J'ai terminé. J'ai délivré mon message. Maintenant, nous pouvons partir. Tous ensemble. Un cycle s'achève. L'avenir est entre tes mains, Desmond. Quoi ? Qui est Desmond ? Je ne comprends rien. Ne partez pas ! J'ai tant de questions ! C'est pas vrai ! Ils seront là dans moins de 10 minutes. Il me faut tout mon équipement. Et partir avant qu'ils arrivent. Desmond. Ouais, ouais. Ok, Sean, toi et Rebecca, vous allez rassembler tout le matériel et le mettre dans le fourgon. Toi et moi, on s'occupe des Templiers. Quoi, ils sont ici? Tôt ou tard, ils auraient fini par nous retrouver. Franchement, je m'attendais à les voir débarquer plus tôt. Allons-y. Alors, c'est quoi le plan? On quitte le navire et après on fait quoi? Nous avons une autre plan. Elle, on a de la compagnie. Le fourgon n'est pas loin. Monsieur Miles, on dirait que les événements prennent une tournure assez inattendue. Moi qui pensais qu'il faudrait envoyer d'autres hommes pour vous coincer. C'est gentil de me faciliter la tâche. Vous voulez quoi, Vidic? Vous voir rentrer à la maison. Vous nous avez tellement manqué. Et nous avons tant de grandes choses à accomplir ensemble. N'y comptez pas trop, Warren. Mademoiselle Stillman, décidément, vous n'en finissez pas de me décevoir. Je vous ai pourtant sauvé la vie, je crois. Vous avez oublié. C'est comme ça que vous me remerciez? Vous m'avez sauvé uniquement pour continuer vos expériences sur des innocents. Vous avez détruit des vies. Et pourquoi? Oh, voilà que vous me resservez ce vieux discours. Dites-moi si je me rappelle bien, vous étiez de mon côté il n'y a pas si longtemps que ça. Vous m'épauliez dans mon travail. Nous avons tous les deux du sang sur les mains, vous comme moi. Tu dois à tout prix l'arrêter. Je m'en charge. Eh bien, Doc, on dirait que c'est entre vous et moi, maintenant. Savourez votre victoire, Monsieur Max, car elle sera de courte durée. Desmond, il faut partir! C'est pas trop tôt. Allez, aide Lucie à monter dans le van. Vite, Desmond, il faut y aller! Nous le retrouverons, Desmond.
Un jour, Warren aura ce qu'il mérite. Je te le promets. Et maintenant, où est-ce qu'on va? On a une planque au nord. On pourra s'y cacher. Du moins, pendant quelque temps. Je dois analyser les séquences de ta session et comprendre ce qui se passe. Et ensuite? Et voilà, j'ai fini de tout installer. C'est une longue route qui nous attend. Alors je me suis dit que tu aimerais passer un peu de temps dans l'Animus. Parfait, mais d'abord j'ai des questions. C'est quoi que j'ai vu dans le sanctuaire? Ce que tu as vu confirme toutes mes craintes. Les Templiers ne sont pas notre pire menace. Loin de là, c'est clair. Alors quoi? C'est le soleil? Qu'est-ce qui va se passer? La Terre va rôtir? J'en doute, mais c'est possible. Des études ont montré que le champ magnétique de la Terre diminuait. Un vent solaire suffisamment fort pour réinverser les pôles et provoquer un renversement géomagnétique. Tout cela est théorique. Mais si ça arrivait, la planète serait géologiquement instable. Très instable. Ça ressemble au scénario d'un film catastrophe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est arrivé quelque chose à la toute première civilisation. Et cette femme, son nom, Minerve, c'est ça? Elle avait l'air de penser que ça allait se reproduire. Donc quoi qu'on fasse, on est foutu. Je dirais pas ça. On va étudier les dernières séquences. Et tu vas continuer à explorer tes souvenirs. On a encore des choses à découvrir. Très bien. Je vais m'y mettre tout de suite.